correctamente. Pa gen aucun note communiqué qui dit pas gen l'école et nous sommes confirmés avec le ministre de l'éducation nationale, c'est ça qu'elle dit. Donc aller l'école, prendre chemin à l'école. Bon, bon, c'est moi note correctement. C'est détail vous voyez moi rapidement. Côté que bon moi ministre Dorson bon, on va arriver sous lit, mais seulement, elle dit, nous déjà perdu 3 jours en classe, donc élection est finie. Oui. Et pas gagné raison pour que pas gagné l'école. Oh, dans la caille. Le directeur qui gagne d'espace, l'école qui était servie pour faire centre vote. Donc, cherchons espace, hein. C'est ça. Et pour que tout bagage fini. Oui, pour font nettoyage, et puis mettre quelques bagages dans le coin, et puis pour l'école fonctionner correctement. Un matin, pour Timonio prend chemin l'école. Haïtien yo en pile là-dedans yo voté dimanche sans incident majeur pour capable ouais si était capable de mettre un président dans tête pays en compléter chambre député en avec sénat république là après yon l'année nous passé dans ça capable briller crise institutionnelle et grand ouragan dévastateur sans pitié. Il vient dépatcher nos nets dans mois octobre qui s'est passé là prend 3 départements qui mettaient à coucoumant c'est département sud NIP avec grandes pays là et ben dans moment bureau vote t'a fermé bon 4h hier après-midi nous capable dire 21h GMT mais des comptes bulletins ont été débutés en présence représentants toute partie politique et opération ça a été déroulé plus souvent gens mon connait et donc dans des conditions précaires et c'est comme ça ça a toujours été à cause pas gain électricité dans majorité bureau et personnel électoral yo gain côté même lampe portative là pas de gain c'est bougie il a pas cherché pour capable limer pour ça a fait bulletin yo té centralisé yo pral centraliser traité dans centre dépouillement national là et résultat officiel le premier tour a publié 29 décembre résultat a publié par contre quel résultat n'a pas sur réseaux sociaux pour aller faire nous tourner chez 8 jours à complication résultat préliminaire élection présidentielle yo c'est ça président KP en fait qu'on est hier OK CPS un candidat à la présidentielle parce que il était pour 27 comme ça 27 mais il va la TV une virer et 5 graines mon est capable être visible dans et puis temps pas là avec on est que si j'ai vu bail là regardez bail yo ouais que une un candidat ça yo pas ta capable gagner 50% plus un dans suffrage là à bon second tour qu'a fait pour 29 janvier 2017. Faut qu'on fait connaître, c'était un bon ciel vraiment menaçant. On file d'attente dans l'après-midi, on connaissait réalité. Dans le pays d'Haïti, dans Port-au-Prince même, et département de l'Ouest, c'est comme ça, l'église, on a sauté l'église, il passait voter, ou bien il saute l'église, il passait dans le marché, l'acheter qui chouille, la brigade comment il a passé, et puis automatiquement, mon fin fait ça, aucun pour faire, fin fait la manger à yo, et depuis le palou et la caillou, mon prend route. Dans l'après-midi, on a commencé à allonger sérieusement devant série bureau vote, dans Port-au-Prince, là c'est constant, puis le journaliste fait, et policiers eux même t'es présent en grand nombre oui ça faut que nous dis ça ils ont pas fouillé quelques électeurs ouais qui pas gain comportement citoyen clair les comportements citoyens gens Jean pouillé Jean habillé de pour paraître policier même n'a pas dit temps mais sac même là qui comment fou ben on gros maman chemise couvre pantalon $50 vieux maillot à balle PG nous donc police obligé font relier pour capable passer maintenant ceinture pour ouais c'est pas rien comme désagrément et puis les policiers ont fait tout bas est correct et puis ils ont quitté ou rentré mais les policiers ont fait ça à faire rentrer un groupe de 10 pour éviter les bagarres pas la bande dans le pal en pile après 10 ça a fait une voter ils ont fait une glisser bulletin dans ça les une il est fait en plastique tout le monde est capable de faire un plastique transparent regardez ça grand donne sous surveillance agents électoraux électeurs ils ont réparti et bien ils ont fini ils ont fait bah poussure de gros pouce là bon c'est un gros pouce là on met pas là bon c'est un gros pouce là et puis au bas on lanc indélébile on lanc que ou même quand t'as soucié le nichel il est pas capable ou prend difficulté pour t'arrêter de vous paraître il y a pour ou est en route
Et puis, yo sécurité ou même assuré que les fin fait ça pour moun pas vin tourner voter encore. C'est ça fait ou marqué doit être moun nan les fin fait ça. Et correspondant à nous et AFP tout Bailly, il dit dans région des Cayes qui était affecté sérieusement par ouragan Mathieu et dans début mois octobre là qui nous te prend et tout le monde a une inquiétude sur département Sayos pour journée vote là. Mais on dit habitants yo, yo te amé yo de courage pour aller exercer droit de vote yo, même si yo pas tant pile, yo pas tant grand nombre de temps en temps ou y a vini et si tout nan doit ou sortir connaît tout. Et en pile là dedans vieux grand qui choy yo, yo là gon côté gain, c'est toujours non abri provisoire. Donc yo aller grand pas grand, c'est ça un journaliste AFP constaté. Mais yo fait connait un bilan journée hein. Et parmi 27 candidats à la présidentielle qui étaient dans course là, qui étaient dans bataille là et qui d'ab bike klaxon, mais qui gagne en pile là, on pas de fin remarque même après passage Mathieu, il gagne qui même bien tendu, il avait meilleur coup pilote, mais il senti que il y a trois graines ayo qui a poussé klaxon. Qui a posé gros klaxon en grand pompe, c'est constat. Et observateur, bah oui, là, Napoli, vous en auditez. Je dis, dans trois graines, ça y est, n'est pas bon, même, monsieur, vous klaxonnez, même, on va y déborder. Et tout le côté, vous virez, ou monsieur, vous klaxonnez fort. Et vous klaxonnez, monsieur, il est dans tête côté, là. Et Jean, journaliste, décrit là. Et vous connaissez, n'est pas bon, c'est ancien président, PIA, Joseph Michel Matéli, qui a fait choix de lui pour représenter parti PHTK. Parti tête calée haïtien. Et bien que dans Viré ou en ligne, en premier temps, président Matéli voulait accli, tout le côté pour aller, il voulait accli pour la parole, présenter lui. Mais, monsieur, en plus, le monde dit, est-ce qu'il grandit vite, ou bien est-ce qu'il marche bonnet? Monsieur, même, il prend béton pour contre lui, ou comme tout le président, Joseph Michel Matéli, et même quelques autres monde dans tout le président Matéli, ou pas, avec la dernière phase bataille là. Il t'explique ça là, tout, dans l'espace de l'opinion, pas plus sur ça. Donc, dans ce sens là, il y a ouais, monsieur, et à Baïbou Klaxon, c'est ça, vous fait qu'on est. Et donc, monsieur représenté, parti haïtien tête calée. Deuxième monde, il senti bon gros klaxon tout, qui est lui, c'est Jude Célestin, sous bannière Ligue Alternative pour Progrès et Émancipation Haïtienne, la paix. Et puis, troisième nom, c'est Maryse Nassis, porte-parole, ancien président Aristide, 25 postes députés sous 109, pour combler dans l'élection Sahara, il y a 16 sièges pour sénateurs sous 30 tours, il y a combler dans l'élection faite hier dimanche là. Scrutin Sahara, qui est organisé, nous connaissons, en premier temps, octobre 2015, mais et à la suite de vives tensions, contestations, oppositions, hein, tribo babon dans le pays. Donc, le processus là, les au fin évalué, et puis t'es gagné à faire zombie que t'as parlé, t'es gagné à faire foudre massive tout que t'as parlé. Autorité ont décidé d'annuler l'élection pour reprendre le processus là à zéro. Et le processus là que reprendre hier. Annulation qui a empêché Michel Joseph Matéli et lui en 2011. Tout son j'ai gagné même baisa pour te transmettre pouvoir avec successeur qui est lié dans suffrage universel là pour assurer intérim là et parlement exceptionnellement élu nous songe ça les second degré Jocelyn Privert comme président provisoire pays d'Haïti et donc finalement 9 octobre premier tour présidentiel là on l'autre fois reporté à cause passage dévastateur nous d'où ouragan Mathieu sous pays sous métier à côté trois départements. Donc, dans ce sens, et après toute analyse qui fait une fête, vérifier, panier, vendre et trier, il dit que n'a préféré l'élection 20 novembre. 20 novembre l'a été hier, guerrier, c'est ça, et puis le monde dit. Qui ça, président Kaipia, Léopold Bélanger dit, sous journée ça. Hier, vers 7h du soir, donc conseil électoral provisoire, l'antéba en conférence, dans tête collée à PNH, non, au conseil, là, dit, élection 20 novembre, bien déroulé, contrairement à sans pile monte pensé et KIP a bail rendez-vous dans 8 jours pour publication résultat préliminaire élection présidentielle là entre-temps gagné 200 votes côté élection pas faite d'après Léopold Berlanger toutefois ça pas représenté un gros problème dans processus là et tout à l'heure on te bail deux circonscriptions c'est ça ou bien une circonscription côté qui t'a gagné problème côté ben bulletin yo pat gantan arrivé oui c'est ça côté bulletin yo pat gantan arrivé doit espérer que président après le dit dans déclaration que la pral côté là donc à cause de problème temps
mauvais temps. Oui. Alors que rivière descend, l'eau descend, même pas hélicoptère. Il a été essayé, mais malheureusement c'était en vain. Et une c'est dans la commune Roseau qui n'a grand dans ce pays. L'autre là c'est dans Vallière, dans le département nord-est du pays d'Haïti. Tout est foyo, t'es arrivé les vins, malheureusement. Et toute voie que tu choisis était inaccessible pour t'es capable de briver avec matériel saio dans le conseil et dans le bureau saio pour te livrer matériel sensible. Et malheureusement, ça va très bien faire. En tout cas, président, conseil électoral provisoire, Léopold. Ben alors, j'ai un micro, Grégory, Jean-Philippe. Tout d'abord, nous voyons que son journée qui déroulait dans le calme, dans la sérénité, sans violence, nous t'es capable de dire d'une façon démesurée, même d'une manière limitée vraiment, donc nous capables de dire quelques petits incidents, mais en général, journée ça a déroulé sans violence, même dans les départements du pays, généralement reconnus comme des départements plutôt turbulents au moment des élections, qu'on considérait comme zone rouge, que ça soit l'Antibonite, le plateau central, la Grand'Anse, notamment. Nous retrouvons que journée 1, au niveau organisationnel, d'une manière générale, nous avons arrivé à atteindre l'essentiel de nos objectifs, c'est-à-dire déploiement machine électorale là sur tout le pays à plus de 99% et avec le personnel vacataire qui déployé sur le pays pour réaliser l'élection. En fait, lors où APC est gardé, c'est seulement zone Vallière, enfin pas Vallière, zone Roseau, que l'un deux centres de vote que l'élection va arriver faite. Deux centres de vote, ça va représenter 10 bureaux de vote. Et ça que fait ça, c'est parce que t'es gon climat, t'es gon des conditions météorologiques qui pas te permettent que l'on franchit une rivière qui t'est en crue et en même temps, tentative pour te faire porter matériel par hélicoptère, pas de réussi vu vent cap soufflé et état situation sur le terrain. Vallière qui t'a gagné un problème qui fait que l'élection a commencé tard, plutôt vers 2h, 2h30 de l'après-midi, t'a gagné même problème là. Rivière en crue, conditions météorologiques, mais heureusement, vous êtes arrivé finalement traverser rivière là, vous avez fait preuve d'un pile volonté, un pile courage, de traverser rivière là, qui était baissée, et en définitive, Vallière arrivait engagé processus là au début de l'après-midi. Et donc il a clôturé l'île, nous avons un délai d'extension pour nous clôturer un peu plus tard dans la soirée. Nous sommes capables de noter tout la participation pleine et entière des départements du Grand Sud. Pas oublier que nous sommes obligés renvoyer élection pour plus tard, sorti 9 octobre pour nous faire le jeudi à 20 novembre, en raison des conditions qui prévalaient dans ces départements, après passage au ouragan Mathieu. Jeudi, à toute indication montrée nous que non seulement que l'infrastructure électorale, matériel électoral, déployé normalement dans le Grand Sud, mais également, il y a eu une participation qui indiquait que les cap même dépassaient peut-être la moyenne de national ou bien de certains autres départements facilement. Tellement de bonnes participations enthousiastes. Son bagage qui fait nous plaisir en pile, parce que ça que nous t'ai dit, nous pas décidé pour nous quitter population Grand Sud là de yon l'élection. Et je dis à yon montrer que vous comprenez Zandéléa, yon engagé dans le processus électoral là de façon déterminée. Nous disons bravo. Nous voulons dire que si nous arrivons à tel objectif ça yon, évidemment, la bataille n'a pas fini, puisque nous sommes capables de dire que c'est le premier mi-temps. Deuxième mi-temps, c'est résultat. Yo. Et c'est acceptation démocratique de résultat. Yo. Et que pour le pays, mettez le travail. L'étape ça, c'est pour le franchir. Comme nous connaissons, le conseil électoral là prévoit pour que les résultats préliminaires pour présidentiel là,
au maximum dans 8 jours. Voilà, amis auditeurs, nous avons attendu le président du conseil électoral provisoire. Là, donc, si participation, hein, Jean-président du conseil, là, saute constaté là, et Jean-Pilmoun, t'es constaté là, la presse, observateur, Tribobabo constaté là, dans différents départements géographiques pays d'Haïti. Donc, là, 29 janvier, nous presque pas rendez-vous avec encore guerrier. Nous presque pas sur 29 janvier encore non là. Oui, ça pas dépend. Donc qu'on y a comme oui, si n'a pas rendez-vous 29 janvier, peut-être c'est pour l'autre cause. Mais pour présidentiel là, nous presque pas en affaire 29 janvier. Donc on tout dit que c'est un calendrier national pays a probablement qu'à respecter. Donc 7 février là, ouais pas ouais. On demande pourquoi. Nathan, conseil électoral provisoire là, puisque oui, j'en vu à la bagage résultat préliminaire qui prend le bail en attendant résultat officiel. Non, pas professionnaliste, nous mettez le conditionnel, mais il y a un bail là, parti à la, donc 7 février, nous allons l'absorber Gwendata. On a découlé avec porte-parole adjoint PNH sous bilan qui dit que concernant sécurité électorale, PNH satisfait taux de travail policier réalisé par le jeune vote là sur tout territoire national en collaboration force au Louisianio, 43 arrestations faites, 7 armes illégales saisies, à 4 machines également saisies d'après bilan provisoire Gary Deosier présenté hier dans le cadre de conférence à de concert avec le président conseil électoral provisoire là. PNH là, bah, rendez-vous dans mi-temps semaine là pour un bilan définitif face au journal sécurité électorale là. En écoutez porte-parole adjoint PNH Gary Desrosiers dans micro Grégory Jean-Philippe, c'était hier soir à 7h. Il y a plusieurs incidents malheureusement qui sont censés nature incident là, c'est agression physique de 6 mounes. Blessure par arme blanche au monde, détention arme blanche, hein? Détention illégale d'arme à feu, 7 chaînes de pierre sur un centre de vote, 3 mandat déchiré, 1 tir sporadique, 4 fraude électorale selon la police 2, et puis monde qui t'a semé trouble dans salle de vote 1, usage illicite de stupéfiants 1, détention de plusieurs mandats 1, influence sur les votants 2, barricade 2, usage de faux mandats 1, attaque contre électeurs 1. J'ai du bien. En total, gagné 43 monde qui arrêtés par la police et qui transférés par la justice. Pour le moment, la police nationale s'est dernier acteur qui a arrêté souterrain. Parce que pour le moment, il y a des dépouillements qui ont fait et il faut que policiers accompagnés. Membre bureau de vote, membre centre de vote. Encore une fois, la petite population, merci. Et continuez justement pour décoller notre travail que la police vient pour le faire dans le jour qui vient. Au commandement d'immobiliser, au commandant en chef plan, passer toute instruction de manière pour que la police assoie jusqu'à demain pour ce dernier monde qui a quitté espace électoral là. Et encore une fois, partenaire ça, qui c'est population, hein, et nous réaliser travail ça, qui était fait par PNH là et population, hein, et côté que bah, résultat, et même président, justement, noter ça. Encore une fois, nous dit population merci, et continuer faire la police en confiance. Parce que la police, c'est quoi? Peut-être que mercredi, pardon, dit à mon mesure pour qu'elle présente en conférence de presse, pour qu'elle baille bilan. Et concernant les journées électorales là, oui, c'est toujours 4 véhicules qui confisqués, et 2 fusils, tout qui saisit tout.
avec les hommes d'arrestation que nous sortis là. Mais juste avant que nous passions encore une fois, président, et Pénacha, tout est voulu saluer tout le travail vidéo de Fernotia. Travail pour direction départementale de Fernotia dans tout le département. Parce que sans présence, sans leadership, c'est certain que c'est la vraie difficulté. DDO travail, DDS, tout l'autre DDO que nous passons là, il y a tout justement des synergies qui étaient développées pour permettre que je dis à tout le monde passer bien. Bon, qu'on y a un ouais met à faire yo, comment a été géré je n'ai voté là hier, mais le candidat à la présidence va me voter mais où on est là venir inscrire le bal voler voter maintenant là venir dire mon al voter pour vous même ça va se que il va y en quatre ça que ça passe ça que t'as pas dit bon candidat à la présidence pas voter et un ouais bonnet et candidat tête calé et PHTK disons Jovenel Moïse nèg bonanna j'ai des gain bon côté li madame li je vais marcher avec madame li non et madame li donc Michel voté trou du nord monsieur voté bonnet bon comme même neve ben dans matin et candidat parti haïtien tête calé li invité population pour prendre chemin élection il un moment il a voté il dit que c'est seul moyen qui capable conduire nous dans stabilité gens tout monde a demandé pour permettre pays à aller sur le développement il dit stabilité ça la possible c'est la réalisation des bonnes élections côté peuple là librement choisi monde qui pourra le représenter monde qui pourra le diriger. Non, à l'institution électorale, là, candidat Jovenel Moïse, t'a envoyé un appel. Les mandés, que, pour y prendre toute disposition qui est possible, et pour y assurer que vote là a bien déroulé, et l'estimer que, jeudi, c'est un moment fatidique, vraiment, pour un peuple haïtien qui passait des péripéties, probablement, il a fait appel avec ouragan, Mathieu, il t'a fait d'autres appels, il est arrivé aujourd'hui pour nous capables à le prendre destin nous en main. Ça, c'est déclaration Jovenel Moïse, fait la Kaili, dans le Trou du Nord, hier matin. Jude Célestin, ouais, nous prenons des tapes, nous avons dit, nous prenons pas échelle, l'échelle n'a pas échelle. Check madame Nassis pour nous. Je suis dit que madame Nassis pour nous la dire. Et quelque côté elle dévote, ça le dit. Souvent, madame Nassis, bon, nous titit. Jude Célestin, lui-même, lui voté dans le lycée Pétionville. Ouais, Jude Célestin voté dans le lycée Pétionville. Candidat à la présidence, non, Jude Célestin, qui est toujours bon sourire de temps en temps à la padager. Eh ben, monsieur voté dans le lycée national Pétionville. Il a sorti le sourire. Le hasard, papa sourire. Et t'es gon foule partisan. Avec sympathisants qui te viennent ballon embrassant, on embrassaille, on embrassement, on comprend? Et pour des balacoulades, Gambela. Donc, Jude Célestin fait une voté, là, allez. Et, beaucoup de jeunes, madame Assis, vous nous avez joué, et l'autre Moïse a souffert là. Faut nous souffler. Jean-Marie Aristide, si je ne me trompe pas, je voté lycée Jean-Marie Vincent. Ça le dit. Non, pas de déclaration. Ça m'a dit qu'elle a embrassé quelques petits grands mondes. Ok. Deux madame Nassis, ensemble avec titre. Donc, on ne connaît pas. On ne connaît pas voter ensemble. Dernièrement, on vote ensemble. Ah, votre frère. Votre frère? Votre frère, madame Nassis, qui voté. C'est Centre évangélique de formation des cadres. Ok. C'est là. Merci en pile, confrère. Il dit tout le monde pour chimer vote. Oui, c'est ça. Donc, c'est là, madame Nassis, t'es voté. Mais j'en mettrai ici, t'es voté. Ok. C'est Jean-Marie Vincent. Ok. Et fois ça, Jovenel Moïse dit même, il change niche. Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles. Et dernièrement, il est voté dans l'ONA.
Lona Delma, bon qu'on y a l'élite nuit élection pour aller dans le pays. Jovenel Moïse, Moïse Jean-Charles, candidat à la présidence, lui-même qui est en bas, Bonnette Petite Dessalines, lui voté hier dimanche là, dans Fiefli, dans Milo, dans le département Nord Pays d'Haïti. L'idée Petite Dessalines, non, t'es gagné avec lui, en pile sympathisant, donc, dans la dernière élection, ça a Moïse Jean-Charles, Gwendoula, il était voté Bordeaux-Presse, conseil électoral provisoire, donc, on va faire transférer là à Milo. Elle dit ça. Fait du conseil électoral provisoire, transférer Milo. Okay. Oh, comment ça? Liquement de ça, probablement. Liquement de ça. Liquement de pas ta madame, ni non, ni même. Mm-hmm. Ni, il est voté sans madame. Enfin, mm-hmm. Moi, je ne vais pas voter sans madame. Ça passe. Elle va dire madame, elle va voter madame. Elle va voter madame, pour contre lui. Pour contre lui. Ok, Kounia, en quoi, qui est-ce que vous avez été? Oui, ça son confrère qui dit que, oui, Aristide Karadeux. Ok. Mais il n'y a pas de palais. Il va parler. Il n'y a pas de facilité journaliste, c'est poser la question. Ok, ok. Ok, président provisoire a voté, Justin Briver. Justin Briver a voté dans le lycée Petit Trou de Nip, Justin de la Kaeli. Et donc, chef l'État provisoire a expliqué que lui-même il choisit stabilité. Les voter contre anarchie avec chaos. Oh, c'est ça fort, ça fort. Ouais. Hein, il voter contre anarchie, il voter contre chaos. Oui. Hein, il invite population remplie de voix civiques. Hein? Faire même la clé. Oui. Non, chaos pas bon même. Chaos pas bon, mais anarchie, chaos, nous pas capable. Il n'y a pas besoin de ça à quoi les gars après tout le temps ça mm-hmm. fait. Oui. Après, oui, il est pour lui nous si là faut marcher tout. Anarchie, chaos pas bon. Il voter contre Joe. Non, on pas par exemple le pays qui fait bah, ça. Okay. 13 mois on pas font élection. Haïti qui est passé 5 ans. Mm-hmm. Pas de fête qu'on a fait 13 mois on fait on est bloqué. Il est bloqué. Il n'y a pas un big bloqué lui. C'est Mathieu. Hein? Oui, et Mathieu Green et Sabatal. Donc Kounia et qui est nous aller. Bon, nous pas le fait pas là avec Frankel Imaginaire. Pas de grandance nous connaît qui était un peu les yeux fixés sous lui à cause dégâts ouragan t'es causé dans le département ça, comment ça a été passé, comment journée a été avec Frankel Imaginaire. On a dit bonjour sur Caraïbes FM. Bonjour Frankel. Bonjour Guerrier, et bonjour, bonsoir pour fidèle auditeur dans Boulevard Mondial. Et nous toujours, dans le cadre du bilan, journée vote 20 novembre 2016, au département de Grand-Nassan, dans une conférence conjointe, représentant et KIPA, tout d'abord, qui s'est mettre Level Docile en tant que chef de délégation, et mettre Alex Calas comme membre cabinet directeur exécutif de l'Idée Antoine, de même qu'ingénieur Frisnel et Pierre, membre, Harry Botabla, président bureau électoral départemental de Grand-Nassan, professeur Almaïdo Restant, et commissaire gouvernement, M. Pouzel Zamo, et directeur départemental de police de Grand-Nassan, Delson Soljou, ensemble représentant ça, vous fait état de 104 de votes. Et sous 106 qui étaient opérationnels en termes de bureau de vote, et sous 518 DV, c'est 508, et pour nous plus clair, dans la deuxième section communale Roseau, Foncochon, et 400 de vote qui égale à 10 bureaux de vote, et pas recevoir bulletin. Et c'est inox, et c'est une responsabilité ça, pour KIPA, et cause irrégularité ça, à partir de rivière qui était en cuir, et malgré promesse qui était faite par hélicoptère, et pas privé fait. Et qui donc électeur dans la zone là, et gens qui déjà connaissent, pas privé voté dans l'élection dimanche 20 novembre 2016. Hein. Et mettez sous ça, candidat RDNPA, nous voulons parler de professeur Jeannine Olindas, monsieur lui-même parlait de toute une série d'irrégularités qui posait un peu partout à travers les centres de voiture, bureau de voiture, côté que non mounio, il n'y a pas de présent à malgré cela, l'espace à tout qu'on a habitué voter. Soit ou est dans la liste électorale qui a affiché dans la porte là, tandis qu'il est rentré dans le bagage. Nous, dans un moment, même membre de Dimens, même mandataire, garde électoral, il n'a pas bien accès pour te voter. Et tout ça, c'est ensemble de problèmes qui posent. Pas oublier tout, il y a Léonidas qui s'est dit, c'est à partir de 10h à soir, dans la veille élection, que le responsable bureau électoral départemental de la fini par déclarer population en l'engrandance qui est en âge pour qu'il aille voter, contrairement à lycée noir qu'on utilise comme centre de vote, actuellement qui est toujours habité par victimes ou agents Mathieu,
de même que les deuxième fuite et qui ont été transférés au Tétradib. Mais en dépit de tout ça, nous avons constaté la population lui-même, qui partait de la Orgueille, et qui était pas chemin et puis ouvre voiture, et de façon qu'on était capable d'aller en plus de voiture, parce qu'ils ont été fatigués à toute une série de monde qui ont été votés déjà, qui n'ont pas réglé rien, et qui ont les propres affaires personnelles, il faut que nous changions le monde ça. En dépit de tout, et même Jean Admet Level Docile, représentant KIPA, à président Bertrand Nassal, Maïdo Estan, qualifié de non-réussite, journée vote 20 novembre 2016 pour le département Ganassan, directeur institution PNH Ganassan, Berson Soljou, ensemble avec le commissaire gouvernement Paquet Jérémien, qui parlait des 6 arrestations, un nègre avec âme blanche, et tout ça, stupéfiant, tant que marijuana, machine à partir des chauffeurs, et eux qui étaient courus sans plaque, et en même temps, tout qui était obtempéré, qui va vouloir un débat pour collaborer avec le radio. Et nous allons inviter aussi un extrait, l'un après l'autre, trois responsables, ça y est, dans le micro, car il est fait surtout à travers le grand boulevard mondial. Là. Nous arrivons dans une journée électorale là, que nous avons qualifié de réussite, même si ce n'est pas 100%. Ma promesse, c'est la presse en particulier, qui est des empiles, parce que nous connaissons après Mathieu, ce n'est pas facile pour nous dériver sensibiliser la population. Et si ce n'est pas de concours après, peut-être je dis à taux de participation, nous voyons bien. Bien entendu, nous ne pouvons pas faire tout chiffre en termes de participation. Mais cependant, ça nous voit. Nous en réunion, il y a plus de personnes qui participent dans les deux dernières élections que le pays a déjà. Je dis à l'enfer opération de vote, moi qui est dans le cadre de tout le monde. Donc, policiers ont fait tous ces efforts. Je suis conscient au commandement, particulièrement le directeur général, le commandant Serge Lyon, qui était très clair, qui m'a dit, collègues, je garde neutralité, engagement, tolérance zéro, et c'est conscient ça. Qui est appliqué sur le terrain de la tendance qui permet que nous sommes capables, je dis à la nouvelle, ça, si nous poursuivons la première phase de l'opération de vote-là, qui c'est vote-là, peut-être que nous commencé, non, tendance, nous n'avons pas enregistré aucun incident majeur. 104 centres de vote arrivés voter sans incident. Sauf deux qui ont problème côté catastrophe naturelle, empêcher que matériel sensible ainsi que policiers, cavaliers et sécurité arrivent dans le lieu. Ils ont tenté, mais ils n'ont pas réussi. La profite de micro, la presse qu'il a, pour nous remercier tous quatre dans la direction départementale là, qui, pour que j'en donne, pour y avoir fait des ajustements d'une dernière minute par rapport à des problèmes de rodage. De l'administratif intégré. Et nous remercions vos commandements qui, jusqu'à maintenant, dévoyaient l'enfant pour nous, pour nous être capables vraiment d'arriver à concrétiser l'opération ça, que nous devons, que nous devons engager pour dépasser très bien. Je dis à nous, comme bilan, comme monde qui est interpellé, nous avons 6. C'est dans la commune de Beaumont. C'est deux arrestations qui fait pour Yon. C'est Evan Sejour, 33 ans, qui a arrêté en détention illégale de pistolet de calibre 9 mm. Nous gagnons Dorlus de Sage, 38 ans, arrêté à Beaumont pour possession d'armes blanches interdites par les autorités ainsi que par la loi électorale, par le décret électoral. Nous gagnons. Dans Jérémy, il y a 4 arrestations qui fait. D'abord, au niveau du centre de vote de FACAP, c'est Laurent Marc Arthur, alias June, 26 ans, qui a été surpris en flagrant délit de propagande électorale et en possession de stupéfiants marijuana. C'est une instruction que nous devons recevoir de la part du ministre de la Justice et du président de la République. Nous devons résumer en trois mots.
impartialité, neutralité, professionnalisme. Et voilà, c'est là nous mettons fin pour matin. Hein. Et rendez-vous à ce coup de main, Bob Seguerri. Mm-hmm. Et si papa qui n'a fait là, prête la vie tout d'abord. Oui, tata, là, il faut qu'elle imagine. Et est-ce ouais. que, puisque département, Gredaslan, c'est département côté situation, te paraît un petit peu compliqué avec Mounio qui n'a abri, Mounio qui saute qu'on est en catastrophe sans pareil. Comment participation population a taillé, selon vous, selon constat, Frankel Maginaire? Et faut qu'on dise que la population était tout à fait sous élection en dépit de tous les problèmes socio-économiques et que on connaît la vivre en tant que monde. C'est vrai, il n'y a pas gagné caille, il n'y a pas gagné manger, il n'y a pas gagné l'argent. Pabli, actuellement, on t'y gagne dans l'absolu de pays département, soit dans le cabaret ou bien dans le Léogane, petit patate. On sait que les petits patates qui sont là, il n'y a pas de connoué. Il n'y a pas de conserve, pas de ici pour côté le marché. C'est eux-mêmes, il y a peut-être l'eau. Comment est-ce que les patates tisotées? Voilà, ça vous démontre que le problème là, il est immense pour côté population. Mais comme eux-mêmes, ils disent, question élection, c'est un atout qui est lié, il faut améliorer les conditions économiques en termes de stabilité, tout, soit politique, durable, tout ça, il faut que nous associons à voter. Mais pas bien, non seulement nous associons à voter, nous jouons une difficulté, tout. Qui c'est-il là, qui l'a abri pour visoire toujours? La lycée de jeunes filles, la lycée noire lycée, tant de l'autre côté encore. Ensemble, des gens qui ont été en 4 pédis, ils ont été proches de vote. Mais le problème, dans tout, il faut que nous lisons l'ensemble des votes là, ils prennent l'humiliation. Tout. Les regardez par rapport à l'irrégularité qui s'est posée à travers liste de majorement, et que ça, c'était représenté un problème. Tout. Nous, ouais, non, yo, et que nous, nous affichons dans le portail, les gens qui ont dans ce vrai qui sont retournés à l'agent c'est que non, pas là, ou du moins 4 numéro 6 000 là, ou bien non, pas là. Tout ça, c'est ensemble de problèmes, ça. Mais en même temps, il faut tenir compte tout, non seulement qu'on participation massive à un certain niveau, mais il y a l'autre problème, tout que c'est à lui-même posé. Question, est-ce que c'était pour empêcher les gens de voter, contrairement à gens qui ont fait magou sous procès de la blessé. Tout ça, c'est ensemble de problèmes, ça, qui posé. Mais, d'abri et tout, faut nous tenir compte derrière pour nous donner. À partir des problèmes d'accès zone, nous toujours beaucoup gagné ensemble de bulletins qui sont posés au niveau base militaire en numéro 2, de façon pour capable remplir l'ensemble de la population Port-au-Prince. À partir de accès, tant qu'on rivière qui toujours en crise, il y a des gens qui ont des rivières. Il n'y a pas qu'à d'un coup après votre là pour qu'ils risquent pour gens de rivière. Là, nous connaissons le département de la nation, où il y a des gens qui peuvent être rivière à partir de 5-6 fois. Bien avant que vous joignez accès à un centre de vote. Mais la seule chose, c'est que il y a une unité spécialisée qui est toujours maintenue sous place, et de façon pour aspirer qu'on voit sécurité électorale juste pour capable retourner à travers la base militaire à la numéro 2. De même que pour le transfert par hélicoptère dans Port-au-Prince. C'est comme ça la situation en présenté derrière. Voilà. Merci un peu, Frankel Maginaire, correspondant permanent, nous, dans Jérémy, qui t'a performé. Et l'ex-Jean-Charles, le Premier ministre, a voté dans Chansol, un bleu, Chansol, dans le département nord-ouest. C'est là, Nazaire. Nord-ouest, pays d'Haïti, okay. C'est ça. Nazaire Gentil, bonjour. Bonjour Bob, bonjour Gary, bonjour tous les auditeurs Caraïbes de FM, mais je vais rentrer directement avec les dernières questions Frankel Maginaire là, en termes de questions de participation, puisque les participation ont été réduites au niveau de département et surtout et au niveau de zones qui étaient plus affectées et par passage à ouragan Mathieu. Et puisque en pile mounio, même il n'est pas arrivé, j'ai un cadre d'éducation nationale, je suis capable de voter. Et aussi, on démobilisation de mounio tout, puisque en pile mounio, même il n'est pas arrivé, côté pour voter, soit par délocalisation, ou du moins, et de monde qui était voté dans telle ou telle zone et dans l'élection ça que délocalisé dans de l'autre zone du moins du centre de vote qui délocalisé et qui était dit rapidement en termes de bilan partiel que autorité électorale yo bay dans conférence que yo bay dans la nuit hier soir madame écossaise électorale et Josette Adosseli qui remercie et population qui t'a voté et qui journée vote là qui déroulé sans trop de difficultés. Il y a aussi responsable de la justice, même à qui parler
de quelques 8 interpellations qui faites et gagné 2 blessés qui déjà enregistrés en attendant qu'il y ait une conférence bilan pour journée pour côté autorité la police. Mais gros journée qui ont tout cas ça déroulé sans trop de difficultés et d'après constat par nous dans différents communes que nous avons chassé visiter pendant la journée électorale là, passant par les CAI et communes et circonscription Campirin ainsi que et les communes de la zone côtière. Donc jusqu'à hier soir, c'est un bien et même et activité déploiement ont été déroulées sans trop de difficultés. Au niveau du département, la police fait des interventions et a gagné un centre de vote et FACAP et de département qui lui-même été fermé avant l'heure, après que tu gagné deux mondes qui ont tenté faire des ordres et la police lui-même. Il était rapidement été évacué centre de vote. Là, on a appelé centre de vote ça, c'est un centre de vote qui était toujours hérité comme un centre de vote carré, puisque après les élections de 2010, c'est bien, et après dépouillement, individu mon patrie identifié, bien, après dépouillement, c'est passé centre de vote ça, et en bas du feu, et c'est même centre de vote ça que nous avons parlé là. Mm-hmm. Donc, et Jacques Dillon, d'après conseiller électoral Joseph Dorsini, bien, je vous ai été déroulé sans trop de difficultés, n'a pas dit un bout de la déclaration. Tout partenaire, c'est pour moi, mon conseil là, à tout temps, encadrement, gouvernement, via la présidence, qui va sur tout ça, donc nous arriver à réaliser belle journée électorale, ça, que peut-être pour nous, on sache. On fait une belle réussite pour nous, et nous allons continuer le travail pour que nous bah, encore. Résultat, on nous dit que nous sommes capables de constater un pays. Donc, ce n'est pas le travail d'un monde, ce n'est pas le travail de monde, c'est toute une mobilisation. Institutions internationales qui ont le travail d'arrache-pied, la police travaille un développement extraordinaire, le commissaire du gouvernement, tout le monde est mobilisé. Et quel que soit mon besoin pour aller où je suis, mon père déployé, ben là, c'est vraiment un travail conjugué de remercier toute population. Et la population sud-là, malgré tout problème qu'elle a confronté, ils répondent à devoir civique. Encore une fois, nous disons merci. Même en tant que journaliste, nous disons merci tout, parce que nous toujours couvrir toute activité. Bien, alors, comme en 2015, c'est bonjour. Voilà, les déclarations de Joseph Dorsini, qui t'a dit, et il y a un constat qui fait presque dans tous les départements, c'est que le bureau a été ouvert avec un pile de retard, et il y a un bureau du maître de centre de vote qui a même commencé à fonctionner jusqu'à 7h30. Donc, et d'après et certains superviseurs, c'est en fonction de retard qui s'est gagné, et bon côté, même BVO, surtout en pile de et d'après ça, vous dites, ça profite très loin et qui pas arrivé dormir dans le centre de vote là. Il y a aussi de candidats qui ont même parlé de problèmes qui ont été gagnés avec des mandataires, puisque les mandataires ont été affectés directement dans le centre de vote. Il est arrivé, ils ont conjoint non et dans le centre de vote là, dans le bureau que ils ont affecté au bureau voté, non pas présent. Ou du moins tout, ils ont affecté dans le centre de vote là, parce que non, ils n'ont pas affiché directement dans aucun bureau. Donc, ça permet que le mandataire sérieux n'est pas arrivé à voter. Donc, et c'est un problème qui t'a posé frustration au niveau de. Pas de journée électorale. Qui t'a dit, une entité lui-même qui t'a baillé un travail hors pair d'après constat nous et témoignage et tout côté que nous passons, c'est l'institution policière qui t'a fait un déploiement massif avec des policiers bien équipés. Donc, présence de et policiers là lui-même qui étaient vraiment remarqués presque dans tout un centre de vote. Mais cependant, gagnent de frustration tout bon côté policiers eux-mêmes qui relaient en moué, qui dit gouvernement, ensemble avec le conseil électoral, là, fait une maniguette pour mettre quelques 12 000 policiers dehors, côté que policiers ça eux-mêmes n'ont pas arrivé à voter. Donc, c'est un point faible qui a pris le monde identifié qui était gagné pendant la journée électorale. Là, malgré bon travail que les policiers ont fait pour être capable de sécuriser la journée électorale qui déroulait sans trop de difficultés, d'après constat la presse et constat
même deux candidats qui voyaient écouter pour la police, mais cependant, policiers eux-mêmes qui exprimaient frustration eux-mêmes, qui n'ont pas voté pendant la journée électorale. Là. En gros, en attendant que les autorités eux-mêmes baillent dernier bilan de journée électorale hier là, donc c'est comme ça y est, jusqu'à matin, après tourner que nous faisons à travers ville là, depuis 5 heures du matin, toute activité déjà reprend. Gagner et machine eux-mêmes qui déjà prennent direction pour aller dans différentes zones et à travers le département, soit qui apprend pas au presse, ou du moins qui peut aller dans l'autre zone. Donc, activité reprend normalement. Donc, c'est comme ça, journée à lever matin et après et journée électorale 20 novembre 2016. Et Nazer, dis-nous non, mal intentionné que tu as laissé mettre du feu dans le centre vote là. Côté, ou pas d'arrestation faite? Alors, nous parlons de problèmes qui t'ont gagné et dans le centre de vote et dans le centre de vote et pas capable rapidement. Moi, juste rappeler que, alors, pendant que le centre de vote est après l'hypocrisie pour le défermer, il y a quelques individus qui allaient pour te faire des ordres, c'est-à-dire que la police lui-même, dans l'intervention, a tout évacué le centre de vote-là. Donc, et moi, juste rappeler que c'est même centre de vote ça qui était toujours un problème en 2010, il y a été incendié. Donc, on va parler de centre de vote qui était incendié hier. OK. OK. Centre de vote ça, il y a été incendié en 2010 et son centre de vote qui est toujours objet de difficultés. OK. Donc, Kounia ou même Nazer qui t'a suivi depuis le matin, arrivé dans l'après-midi, des comptes, comment ou capable estimer participation population sud-là dans l'élection hier 20 novembre? À qui pourcentage? Et la difficile pour nous bailler un pourcentage général et par rapport avec Jean Saïe, puisque premièrement, il y a un problème de démobilisation. Côté que, après passage cyclone, candidat ou même, il n'y a pas fait en pile campagne. Donc, ça permet que, il y ait une démobilisation bon côté électeur. Et deuxième paramètre, là, et au niveau de zone qui est plus victime, candidat qui pas de rien en main, tout pas arrivé dans la zone du tout. Okay. Donc, c'est un deuxième constat. Et puis, et troisième paramètre, là, c'est que, gagner en pile monde, même, qui, pas jouer une carte, surtout le monde qui était dans la zone qui était plus touché, qui pas jouer une carte pour voter. Et quatrième paramètre là, c'est question de désaffectation que vous faites et dans une série de centres de vote, notamment si nous juste prenons au niveau de la commune des Cailles, gagné et centre de vote qui était dans le lycée Claude Dumuzo, qui ont désaffecté qui ont mis dans l'école communautaire Jean-Paul II. Alors, ce que pas de aucun communiqué qui te baille pour te dire que le centre de vote a lui-même les désaffecté, c'est les journalistes pendant la journée électorale là, qui remarquent ça et pendant l'intervention nous dit ça. Mais la majorité, au centre de vote qui est là dans 27 bureaux, donc, monde qui partent et qui sont pour aller voter dans le centre de vote, ils n'ont pas vraiment connu pour aller voter. Donc, c'est le monde qui t'attend des radios, donc qui fait des déplacements pour aller voter. Donc, c'est un ensemble de problèmes qui la cause que ou joignent et ils ont fait participation et partage électoral là. Et d'après constat que nous fait de 2010-2015 pour arriver 2016, c'est tout. Et c'est capable tout plus faible de participation que mon capable de réussir au niveau de débattement. Voilà, très très bien et Nazer, donc n'a pas continué à être en contact. Mais même par contre, est-ce que au courant que tout ou du moins c'est gagné en pile dans équipement, dans matériel sensible, à savoir bulletin, procès verbal qui est déjà arrivé dans la base pour que tu as transporté dans cette tabulation par exemple? Et qui t'a dit, pour une série de zones qui sont plus accessibles, une fois que et activité électorale à lui-même les fermé, il y a exactement, il y a acheminé au niveau de la ministre, mais gagné de deux zones qui pas accessible, c'est jusqu'à ces matins et au cas où on des côtés c'est jusqu'à demain matin c'est à privé. Donc c'est comme ça habité fait parce que gain des zones c'est avec les bourriques sous le cheval, donc il y a privé et dans le centre de votre taille parce que machine et pour arriver dans la zone taille. Donc il y a des zones l'improbable c'est jusqu'à demain que et pour faire vos taille même le capable privé. Cependant nous connaissons que le conseil électoral a pris des dispositions pour te permettre que superviseur centre de vote yo prenne disposition pour capable une fois des comptes yo fini faire photo yo voyer yo aller
et ça permet que et même sur téléphone nous là nous avons un paquet de procès verbaux qui est arrivé avec nous. Donc si nous même nous gagnons, donc c'est pas qu'il perd, pas gagner déjà. Oui, très bien. Et là, ok. Pas de problème, Nazaire. Là, nous ouais, sur site KIP, en liste vérificateur, yo. Donc, dans cette tabulation, yo, liste, d'accord, les techniciens, ou bien, monde qui va vérifier pour ces verbal, yo. Et yo, déjà metté sur site, là. M'a regardé là, est-ce que, pour moi, beaucoup, photo, yo, en tout cas, que yo te dit, après, le gain, pour mettre sur site KIP, hein. Beaucoup, photo, pour ces verbal, ça, yo, que, en tout cas, membre conseil électoral provisoire ont été fait non différents centres votio mais quand même n'a pas essayer peut-être probablement tout à l'heure il y a gain pour mettre le merci un peu Jean-Nazaire gentil et bonne journée n'a prêté en contact guerrier de seul permettre moi faire ça rapidement pour moi et dit bonne fête avec élève lycée national de Convert qui a fêté 25e anniversaire on école que me dégage chance et prend un mot sur formation là-dedans. Et puis, ma petite bonne fête avec la Pierre Capité, jeudi, anniversaire de l'Istanbul, Erlis Sanogé, qui a fêté jeudi. Merci un peu, Jean-Nazaire, gentil, pour avoir parlé de bonne fête là, ben, tout dit bonne fête avec Moïse Cadet, qui a fêté, et puis Jeff Saint-Louis, qui a fêté depuis Arcaye. Gagné également, madame Jude-Marie Jean-Baptiste, qui a fêté jeudi. Son bonjour, bonjour, date pour date. Et avec Chilov Perrin, et puis tout le monde, avec les actualités. Jou pour jou, date pour date, yo jou, bonjour tout le monde, jeudi à ce 21 novembre 2016, au branché Caraïbe FM, ou pral suivre rubrique pour la Jou pour jou, date pour date. Pour commenter et suggestion, écris-nous sous Jou pour jou, date pour date, à commercial, caraïbefm.com. 21 novembre 1629, cardinal Richelieu vint conseiller roi Louis XIII. 21 novembre 1793, Robespierre levé campé contre Salire les massacres religieuses là. 21 novembre 1806, Napoléon Ier officialisé blocus continental là. Jou pour jou, date pour date. 21 novembre 1836, début siège Constantine là. 21 novembre 1877, Thomas Edison annoncé invention phonographe. 21 novembre 1933, Terre-Neuve vigne colonie couronne britannique. 21 novembre 1956, Assemblée générale Nations Unies condamnée intervention la Russie dans pays Hongrie. 21 novembre 1958, Général de Gaulle vigne président de la France. 21 novembre 1962, Chine accepté yon cessez-le-feu sous frontière sino-indienne. Jou pour jou, date pour date. 21 novembre 1976, l'armée syrienne finit avec première phase occupation. Dans pays Liban, 21 novembre 1977, un cyclone ak yon ratmare fait 3000 morts dans sud-est pays Inde. 21 novembre 1991, Conseil sécurité ONU élu Boutros Ghali secrétaire général des Nations Unies. 21 novembre 2002, OTAN vingé 7 nouveaux pays qui c'est Estonie, Lettonie, Lituanie, Bulgarie, Roumanie, Slovaquie ak Slovénie. 21 novembre 2006, yo assassiné premier ministre libanais Pierre Gemayel. Paul Akainou, 21 novembre 1883, Salomon fait bateau de Saline bombardé ville Jacmel. Jou pour jou, date pour date. Yo personnalité qui fête le 21 novembre, c'est Voltaire, écrivain, philosophe, académicien français qui fête en 1694. Yo personnalité qui mourit le 21 novembre, c'est Abdus Salam, pakistanais, prix Nobel physique en 1979 qui mourit en 1996. Je dis à ces journées internationales télévision, c'est journée infirmière en Argentine, c'est fête l'armée en Jordanie, c'est fête professeur dans le pays Costa Rica, c'est journée nationale adoption aux États-Unis, c'est fête étudiant au Venezuela. Pour commenter et suggestion, écris-nous sous Jou pour jou, date pour date, à commercial, caraïbefm.com. Voilà, c'est l'ancapé à rubrique pour matin, aussi à ce et toute bataille que nous faisons consensuel, parce que nous t'es gonflé, nous n'avons pas même fait une baille couclé, mais mon petit demi couclé. Et puis, peuple a dit, mais qui côté qu'il garde, parce que, à tout, il y a pile monde dans la diaspora qui pas une possibilité pour voter Bob, et c'est une critique que nous faisons au niveau des G50, faire une diaspora aux chances, parce que c'est haïtien qui est pour être capable de voter. Okay. Même gens avec population. D'accord. Et tout Bob n'a félicité PDG Radio à Patrick Monsignac pour grand boulevard mondial Zakel Bala pour capable
et vient intervenir sur ensemble des problèmes qu'a traversé population. Question marché à Kibouléa, il a demandé la police nationale et d'autant léger et me connaît et sénateur Jean-René Zenatis et en tant que sénateur de la République qui a pile monde qui t'a voté, je félicite vous parce que vous faites un bon travail, mener des enquêtes pour monde ça qui t'a fait des déclarations qui te dit que vous allez bouler, vous allez déchouquer. Et tandis que dans la situation peuple est là, il n'y a pas de situation côté monde qui ni craser ni briser, parce que nous ne sommes pas même gagner même bob. Et nous avons demandé que c'est ça que nous avons à nous construire pour nous mettre sur vous. Et CPA nous dit nous, membre KEPO, prend responsabilité nous en main, parce que peuple là, qui est en connaît, Jovenel Moïse Nèque Banana, n'a demi coup de clé. Il a passé le premier tour. Et parole G50 oui, et l'air avec Joseph Messi. Et pour terminer, nous demander tout allié G50, tout membre G50 et allié organisation, tout le monde, n'attend le matin, place canapé vert, à côté de 9h pour nous crier victoire nous. Non, non, la police a pas arrêté nous. Et vote par là, le pape gaspiller. Il y a des gens qui marchent à pied, guerrier, il y a des gens qui marchent à pied, Bob, qui a voté. Et il y a des gens qui ont regardé dans le département Grand-Est, dans le sud, il y a conscient monde qui t'a avec une tribulation, en bas la pluie. Il y a des gens qui sont sortis qui ont voté, qui ne pas appris sur tête pour voter avec Benalla, qui c'est Jovenel Moïse. Ah bon, oui, c'est Jean-Marc Gabriel de l'Aldan, mais j'ai 100 mois. Merci, merci Bob, merci okay. Guerrier, merci le PDG de la radio, merci encore une fois, notre metteur en ordre. Merci, bonne journée. Ok. On va pas continuer à Guerrier avec édition spéciale ça matin, pour nous capables de parler des journées, et quoi est là, qui côté nous voilà. Oui, on va regarder offre des sources qui les mêmes gagné. Des déclarations et collaborateurs qui étaient virés presque dans toute capitale. Nous même tout hier pour que nous capables de faire un résumé à Kyo, mais bien avant, bonne garde, c'est d'aller dans le département sud-est avec Elie Lorvéus pour qu'on ait comment ça t'est passé. Je vais essayer de faire ça rapidement. Caraïbes FM, bon, pour question dossier marché et Pétionville. Pétionville, donc nous allons essayer de les en vain. Et magistrat Saint-Roch, que nous avons parlé avec lui hier soir sur radio, mais matin là, nous n'avons pas arrivé à joindre notre téléphone pour au moins avoir une idée de bilan des gaillots dans le cas d'incendie ça qui est passé hier soir. Malheureusement, parce que c'est Timarchano qui paye ça, encore une fois, comme nous-mêmes nous pas capables de dire est-ce que c'est un incendie criminel ou bien est-ce que c'est l'autre problème de la cause, ou est-ce que c'est accident, okay. Nous pas placé pour ça, mais quand même, le déficient, c'est que gagné un pile petit machin qui même te gagné dépôt bien marchandisio dans espace ça qui boulait pendant du feu ça. Nous arrivons joindre Eli et Lorvéus qui n'a pas essayé Grégory venez de nous et n'a pas essayé permettre li ban nous comment ça t'est passé là Jacmel. Jacmel et pourquoi pas reste département. Eli Lorvéus, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Bob, bonjour auditrice, à auditeur Radio Télé-Caraïbio. Et effectivement, nous, dans Jacmel, le département sud-est, et nous déjà fait bon petit viré dans la ville là, particulièrement dans le niveau de Ndakapabrivé. C'est une ville qui est très calme, une ville qui est toute activité, nous capable de dire dans le domaine de circulation, à réaliser, sauf ça a un rapport avec l'école, puisque consigne ensemble l'école, yo, c'est que yote déjà mette Timounio dans une situation de dit qu'il y a une possibilité de pas de gagner l'école, malgré le ministère de l'Éducation nationale pas dit pas gagner, mais il y a une possibilité pour pas gagner l'école, parce que dans l'ESA, tu as déjà gagné tout petit monde qui a pris un chemin pour aller à l'école suivant et au rayon, il y a des écoles qui fonctionnaient, qui commençaient à s'éteindre. Mais malheureusement, il y a une possibilité pour pas gagner l'école. Mais à part ça, Ville Jacmel le veut très bien. Et tout le monde passe par là, yo, a fait activité. Alors, pour ça, il y a un rapport avec journée électorale, là. Hier, dimanche 20 novembre 2016, là. Particulièrement, nous, qu'on est un département sud-est, l'été gagné 125 centres de vote avec 4 annexes. Nous, t'es déjà bas explication. Annexes, là, c'est des centres de vote qui, yo, même, c'est manqué capacité pour accueillir, yo, centre de vote, et bien, et, alors, bureau électoral départemental, là,
et mettez 4 annexes. Mais pour ça, il y a un rapport avec bureau, tu as gagné 672 bureaux de vote pour le département sud-est là, et tu as gagné également 334 466 électeurs qui ont gagné comme position qui t'a doué pour un chemin de vote pour aller remplir des voies civiques. Donc, on dit par rapport à un bilan et conseiller qui a affecté dans le département, c'est le Funel Joseph Libay, qui sont totalement réussi à part. Et les arrestations, ça aussi, pour les mêmes qui t'a cité comme arrestation liée, côté c'est un monde qui t'a tenté rentrer dans le centre de vote, c'était dans un festival, et bien la police mettait son lit et Léon Lot, il n'y a pas tellement de raison, mais il est au niveau Marigo, il était arrêté, c'est arrestation ça, mais qui totalement arrestation liée. Il y a un commissaire gouvernement, mais bon, Françoise, il a dit qu'il était marché avec des mandats dans. Et valise ni seulement il faut qu'on gagne dans le monde, mais il cherche à travers toute juridiction, il passe jamais qu'arriver dans le monde pour lever et mettre en bas code par rapport à une journée qui est totalement réussie. La police fait travail li, et tout acteur fait travail. C'est dans le sens qu'on dit, et selon bilan ça, côté et section, donc à dire ou bien et urgence. Et qui était établi dans l'aérodrome Jacques Mella, côté la police, la justice et le conseil électoral là, qui est représenté par Dr. Funel, et ensemble avec membre et bureau électoral départemental, ils ont dit que tout le bagaille passait très bien pour le département sud-est là. En attendant, c'est tant y a tant inops pour le capable acheminer et matériel sensible dans l'urgence là, qui est dans l'aérodrome Jacques Mella. Par rapport à et journée vote là. On permet tout temps dans petite classe dans et déclaration docteur Funel dit fait après journée vote là à partir de 4 il était pour tirer dans 4 et demi il était bail et conférence là. Oui, monsieur la presse, est-ce que nous sommes capables là pour nous capables bail et point de presse encore et on ne pas pour nous dire comment la situation a déroulé dans le sud-est. Et comme nous te connaissons tout à l'heure déjà, la situation n'a pas trop changé comparativement à ça. Nous avons gagné deux arrestations jusqu'à présent et qui fait avec le monde nous te connaissons au niveau Jacmel qui a des problèmes avec Festival là et puis on l'autre monde encore au niveau Marigo. Donc, c'est ça, au monde, ça on garde à vue. On a guetté un noyau et un peu plus tard. Et puis, du côté de l'INOP, tout le ok, c'est tant seulement à peine depuis moi, on commence déjà. D'ailleurs, tout à l'heure, les centres de voiture, les bureaux de voiture qui sont fermés, depuis moi, on commence. Et l'INOP sur place, la tente pour le capable de faire récupération. Aussi bien qu'il y a supporté par le ministère et tout le ministère et la police. Spécialement, capable et fait tout ça déjà. Au niveau de toute mairie, mes délégués là, ensemble avec nous, tout le bagaille, ok aussi. Il y a quelques zones qui ont un petit problème, si la pli, et qui a empêché les gens de sortir, mais malgré ça, les gens qui sortent pour être capable de voter. Mais nous n'avons pas quelques petits problèmes qui ont été relevés. Vous comprenez? Et quelques gens qui ont voulu voter pour l'autre. Vous comprenez? Donc, nous essayons de garder comment niveau ça a été. Mais il faut bien du tout, et qu'il y a des gens qui ont manipulé et qui a essayé pour un monde tout, pour essayer de payer le vote dans quelques centres de vote, peut-être 104 ou bien de façon rapide, et il y a un. Voilà, voilà, vous entendez comment, justement, c'est Dr. Funel Joseph, lui-même, qui t'a porté précision, à partir de 4h30, les bureaux votes sont arrivés fermés, mais ils disent tout simplement, il y a une possibilité pour INOP, c'est lui-même qui est capable d'acheminer tout mal et documents sensibles. Et probablement, il y a une possibilité, centre de vote qui est dans la ville là, côté, et il y a déjà acheminé dans centre d'urgence là. Mais, nous pouvons rencontrer pour nous connaître qui ça qui fait. Nous pensons que, dans, au coup de journée, il y a gagné un point de presse, côté là, et la presse dans le département, il y a une possibilité pour capable connaître dernière information qui gagne pour le département sud-est. Mais en gros, tout le bagage passait très bien, sans violence, selon toute autorité soit et sous plan électoral, sécurité pour la police avec la justice, c'est comme ça ça a passé dans le département sud-est. D'accord.
Merci, okay. Eli Loveus. Tribunal Sud-Est, c'était avec Eli Loveus qui t'a informé, nous, des journées électorales 20 novembre 2016, là. Continuons à mettre les projecteurs, nous. On a allé dans Tigouave avec Anel Joseph, que n'a pas essayé de relayer, donc ça, son autre numéro, vraiment, là. Oui, n'a pas regardé si n'a joué Anel Joseph depuis Tigouave pour une idée de journée électorale, là, hier, donc, côté Papa Issien, descend pour la choisir dirigeant yo président député et sénateur de la République dans divers coins en dedans payant non elle pas arrivé joindre voilà nous pas arrivé joindre Anel Joseph, Joseph depuis Tigouave France Augustin et ou du moins tout ça qui connecté là essayer relé nous rapidement pour que nous capables partager à auditeur une information qui a rapport avec région que nous affectée. Voilà, nous pas joindre Anel Joseph, bon allié si nous joindre France Augustin depuis Saint-Marc et matin un travail difficile qui n'a pas essayé faire là un journal vraiment spécial matin pour permettre auditeur yo connait comment pays a levé et comment ça t'est passé hier côté tes doué ou du moins c'était une élection à travers tout pays excepté deux zones ça qui un bulletin pas privé. Et là-dedans, nous on rejoint France Augustin depuis Saint-Marc. France, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Bob. Journée de vote réussie sur toute région Balatibonite et bilan positif d'après première déclaration quelques autorités concernées dans le processus électoral. Là. Occasion pour remercier tout secteur qui ont estimé donc qui la journée ça a réussi. Police nationale là, qui déjoint à du ministère. Un police national là qui te répond à tâche ligne dans affaires sécurité malgré KIPN te violé droit de vote yo et remarque là te clair dans visage policier yo qui te qui pas rivé rempli de voix civique yo et reproché KIPN en pile de ça honnêtement rivé joindre observateur national acte national yo population en général qui te prend chemin vote pour yo et t'es capable de traduire volonté d'engagement yo manifester pour payer en sortie dans crise politique là si pas gagne arrestation dans Verrette Grand Saline la Chapelle des Salines ak des Dunes ça explique toute bagaille passé bien et ma chaîne des agréments yo quand t'es à respirer loin centre de vote yo dans occasion élection 20 novembre là contrairement à Semac côté la police s'est procédé à deux arrestations. C'est des monde qui tapent troublé processus électoral là. Ils tapent machine avec quatre noms et puis avec ça yoyelé de mégaphone en signe de campagne. Dans petit rivière de l'Axibonite, la police s'est procédé à huit arrestations environ là-dedans yo des monde qui tapent processus de vote là avec chauffeur machine qui tapent circulé sans papier légal. Et 6 machines confisquées. Il y a taux de participation, donc nous capables de dire, les plus élevés dans la commune Saint-Marc par rapport à 6 autres communes au niveau de la Tibonite, la guerrière. D'accord. Et donc, ou même Augustin, qui t'a fait couverture électorale, ça, pour nous, dans Saint-Marc, à combien, ou même, on est capable d'estimer une participation population, un bon pourcentage participation dans la journée vote là? Il y a, j'aime dire, là, Bob, donc, taux de participation, donc, les pieds élevés, donc, au niveau, et commune Saint-Marc, donc, par rapport avec 6 autres communes, dans Balatibonite, là. Donc, nous, capables de dire, donc, les, à 50, donc, au niveau Saint-Marc, et l'autre côté, donc, les, environ 35-40%. Et puis, c'est d'après constaté, donc, côté juin, en pile, curieuse, marché, donc, devant centre de vote, et contrairement avec un monde qui tape, donc, fréquenté centre de vote pour y aller, et rempli de voix civiques, de voix civiques, yo. Et j'aime, m'dakadili, et ça qui explique ça, donc, il y a un monde, donc, qui vient pour voter, donc, il y a un affiché, donc, dans cette liste de vote,
vote yo, mais rivé dans bureau de vote non yo pas affiché dans liste largement. Donc ça vient décourager de commun yo et en plus la note obligé donc retourner la caillou ou bien rester massé de présenter comme curieux devant centre de vote yo. Donc, pas de petite légèreté, ça, population, t'es branché bureau vote correctement, à le voter, sans pièce d'intimidation, et puis rentrer la caillou. C'est ça, constaté, ou oui, sans bruit, sans compte de population, t'es rentré, donc, à voter. Seulement, donc, au niveau de la chapelle, d'après information, visez les gars, on dit, Saint-Marc, là, nous connaît, qui constitue Saint-Marc, avec la chapelle, donc, visez les gars, donc, c'est qu'on est, gagnant, tête pas droite, donc, qui, lui-même, de côté, et vu, on est capable de dire donc franchi donc un centre de vote donc et l'élivé donc dans centre de vote là donc il était allé catch up et allé blessé et un électeur gravement grave et ça passait donc au niveau commune et la chapelle d'après information donc vice délégant du clan Tebanon donc il était trompé vigilant tête pas de ça. Donc il était trompé vigilance la police qui était présent et l'entrée dans centre de vote là. Donc, monsieur était blessé à Kachapika, donc, Lyon, électeur qui était en ligne pour voter, et monsieur était blessé, donc, gravement grave, et la police n'est pas contente, donc, pour procéder, donc, avec arrestation. Et dans ce plan de sécurité, la police était très présente dans Balatibonite, là. Mais effectivement, donc la police est très présente, vous nous dites que les backup plusieurs d'accord dit donc l'autre entité donc en PNH là au niveau ce max gagné 6 mois au niveau petit de la Tibonite doté gagné bim donc faut dire au niveau la Tibonite donc ce max verrait des dunes et petit de la Tibonite donc et placé de comme zone rouge. Donc, c'est 4 circonscriptions côté élection, surtout pour député au deuxième fait. Donc, 4 circonscriptions, c'est une élection deuxième tour pour député là-dedans, mis à part donc, de l'élection présidentielle en avec sénateur pour renouveler le Sénat. Merci beaucoup, Augustin Franz. D'accord, voilà, d'accord. C'est nous avons toujours été dans la Tibonite, c'est ça, c'est où la Tibonite, c'est ça? Non, mais, c'est pas la Tibonite. Pas la Tibonite, nous parler dans où la Tibonite, quoi, là, avec Eric Julien. Eric, bonjour. Bonjour, guerrier, bonjour, tout auditeur du Twist, Radio Caraïbes. Nous avons tout du déroulement du processus électoral, là, pour le dimanche 20 novembre, là, jusqu'à 7 juillet. Directement la Tibonite, notamment Ville-Gonaïve, tout le bagage est terminé sans trop grand incident, malgré certaines irrégularités que tu constates dans les centres de vote. Côté ça, tu es affecté au ticras processus. Quand elle dit ça, nous avons constaté majorité bureau qui était amputée de yon ou bien de membres, absent certains membres du bureau, et de vote dans le bureau, ça a été une crayon technique quelque part, début journée à main, qui t'a régularisé plus tard. Et du côté sécurité, ça se passe très bien. La police est mobilisée et non plus taux de participation électorale qui n'est pas trop élevé par rapport à l'élection qu'on est qui compte fait. Ça n'a pas de trop opportunité pour te gagner échauffourée jusqu'à même affecter le processus là. Te gagner si vous voulez, c'est un électeur qui n'a pas vraiment de chance que de voter. Raison est simple, c'est par rapport à la somme de vote. Vous-même, vous comptez souvent voter qui vient quelques petits changements. Cette plante sur la cause, nous n'avons même pas crisé au non et puis nous pas crisé voter. Sans deux votes, il a été fermé à quatre coins, j'en savais que voilà la loi électorale et là même processus d'épouillement lui-même était commencé. Alors que le processus d'épouillement était déjà commencé, il y a un vice-président conseil électoral provisoire qui a affecté le département, M. Carlos Hercule, dans le cadre d'une conférence bilan, Liba et la presse, il était 5 heures dans l'après-midi dimanche-là pour non seulement féliciter les électeurs dans le département, il dit qu'il fait preuve de maturité sans violence, qu'il a allé voter, il félicite tout, personnel vacataire et contractuel, selon lui, qui aboutit à réussite de la journée électorale 20 novembre-là. Métercule, il évalue les journées à 50 à 60% de participation électorale et il était quoi que il a privé respecter les séances 10 jours pour que le conseil de la lui-même publie les résultats. Dans le même bilan de Bailan,
numéro 2 qui a été allaité fait un zoom tour sur 4 départements dans la Tibonite qui recrutent zone rouge, donc commune des Dunes, côté élection supplémentaire qui a déroulé, qui finit sans problème. Peter Kuhn lui parlait de dispositif de sécurité police nationale. Là. Il était parlé avec magistrat commune des Dunes, qui c'est Ernst Saint-Far, lui-même qui était parlé de processus là, qui déroulait très bien sans aucun incident, contrairement à Jean Saté dans l'élection passée, qui était élection complémentaire organisée dans les Dunes. Donc, pour débattement la Tibonite, donc c'est un bilan positif des déroulements élections. Sylvie Gouen, numéro 2, conseil électoral provisoire. M. Carlos Ekun l'a invité au côté un petit bout dans la déclaration de fait. Dans ce qui concerne journée ça, aujourd'hui à là, nous battons au bravo encore pour la BNH, parce que nous avons journée quasiment sans incident dans l'île. Ça qui est arrivé, ce sont des pépins qu'on retrouve même dans les grandes familles. Dans ce qui concerne le processus là, dans l'île, sur 227 centres de vote que nous gagnons, tout fonctionnel. Pas qu'il y a une dans 227 centres de vote qui n'est pas fonctionnel. Ça veut dire que côté qui est inaccessible, côté que c'est à dos d'aller, tout fonctionnel. Même les derniers rivières qui étaient en route avant ça, qui fait nous connaître pas d'avoir une défaite, il y a une défaite. Et on tourne jusqu'à présent. Nous ne pas exagérer. Nous disons en moyenne, nous n'avons pas avoisiné entre 50 à 60% suivant le rapport des gouvernements que nous sommes. Donc, mes chers amis, nous croyons que dans la Tibonite, jusqu'à présent, nous sommes capables de nous remporter première manche-là, d'irrité pour nous continuer à suivre et vraiment prier à ce que responsable de la lui-même qui aboutit sans heure. Parce que la nation a besoin d'un mouvement de répit pour être capable d'engager de façon résolue et définitivement sur la voie du progrès, sur la voie de la démocratie. Parce que dans un avenir proche, Haïti va gagner des autorités légitimes qui ont sorti dans l'élection qui commence à être faite. Je dis à là, parce que le résultat que c'est le Bissapalba est là, qui va vraiment l'expression. De ça, on a fait dans un an, là. Voilà, nous d'un côté, le numéro 2 conseil électoral provisoire, M. Carlos Hercule, est affecté dans le département de la Tibonite, le processus électoral, il parlait de l'élection démocratique, comme je l'ai dit là. Mais comme du tout, hier, dans un moment, d'après le gagné, déroulement, découvrement, c'est gagné un blackout, dans cette ville-là, donc un blackout qui est vraiment suspect en tout le monde, dénoncé et posé question pour qui. Et ordinairement, pas souvent bien blackout, mais bien hier, dans un moment, c'est bien déclinement. Donc, la ville-là, c'est plongé dans le blackout, ça a suscité un peu de questionnement. Donc, pour moi, la parole là, il y a un côté qui est courant, mais il y a un côté qui est toujours bien blackout. Donc, il y a un fait à signaler, pour ne pas prouver comment, non seulement il n'y a pas trop participé dans l'élection, mais tout, ça qui a participé, il y a même des. D'accord. Mais merci un peu, Eric Julien. Oui, Eric Julien, depuis la Gonaïve là-même. Nous prenons Oula Tibonite, nous prenons Bala Tibonite. Vous voyez là, nous connaissons au Cap, dans bas de l'eau, hein. Il faut que nous arrivions au Cap. Nous allons faire une façon pour arriver au Cap. Mais concernant le candidat qui a voulu texto par nous, il va attendre de nous parler des sénateurs. Il y a lui-même, il n'y a pas klaxonné fort. Donc, nous préparons, nous, qui a parlé de qui candidat klaxonné, qui candidat pas klaxonné, son rapport que nous d'appris, de vos premières évaluations, journée électorale, là, AFP, même, mais était léo, dans un top fait lecture, là, AFP dit, dans un rapport, là, si pas de contrariété, Jean Baye, il passé là, Jean Brie a couru, Jean Klaxon a couru, avec Klaxon est fort, là, n'est bon, même, second klaxon bâtiment puissant, et donc, klaxon, ça a fait gros bruit, et puis, des doli, et, mon cap klaxon, n'est, des li, et, non, bah, y'a même genre, j'en signe quoi, et, rapport, non, mais nous là, pas grand échange, non, bah, y'a même genre, sauf, moi, qui a envie de perdre, perdre bon. Donc, vous voyez, on va arrêter de stresser tout le temps, mais on dit, si t'as un monde là, sous route pour, Jean là, il y a Buria, et qui a poussé le fond, on t'y bac,
c'est à Philippe Gasson de Saline là. Donc je vais là hier, c'est Jovenel Moïse avec Bonanna, gros klaxon, et puis Jude Célestin même a klaxonné et tout, des Dolly, et puis Madanassis, et puis c'est à gon l'autre klaxon qui a venu. Et Jean Bay, ça a commencé, vous avez commencé, ouais. C'est à, maman, et lui-même, maman, pas de la donne, madame Assis, et ben, pour sénateur, yo, nous partons des gros brinons, et pour mes frères qui dit moins, et l'état de Nazé pas les là, Nazé pas d'ici le klaxonné fort. Bon, ouais, faut qu'il voit pas non dis ça là, ou fait mal, ouais, l'auditeur au caille, mais les fois qu'il vient dire ça mal, moi, il faut pas qu'arrive beaucoup de sport seulement, on va dire de l'autre, faut qu'il y ait l'autre antenne pas où, malgré l'auditeur au caille, il y a au caille là qui, et sous tant de klaxonné fort, dans le candidat au Sénat au caille, moi, ouais, pour me dire qu'il y a des frères qui existent, bénéfice d'autres là, il dit, gros bruit le temps de bruit klaxon sale, pas foutu, pas Carlos le bon. Carlos, ça c'est question sénat. Eh, Carlos le bon, oui. Ok. Je bon, quand klaxon est fort, et dans le département sud là. Mais Franck qui dit, il y a un gros klaxon tout, mais Franck qui va faire nous, on va m'obliger les trois grains de monde. Bah, ouais. Non, zone moi, Léa, ça qui arrive, guerrier. Zone où Léa, et quand on a des bruits klaxon ça a plus fort. Et puis, l'autre côté, l'autre l'a klaxonné, mais on dit, Carlos le bon, klaxonné fort, dans le département sud là. Allez, avec Anel Joseph. Anel, bonjour, depuis Tigouave. Bonjour, Gagui. Bonjour, tout auditeur, auditrice, Radio Caraïbe. Donc, nous bien contents ensemble, matin, justement, après journée électorale, et on est nous capables de créer ici à 80-90% dans la commune Tigouave. Pourquoi même 100%? Donc, puisque, donc, de façon inattendue, puisque on peut monter, tout le temps, capable d'un incident qui est enregistré. Donc, on est capable de dire, journée électorale là, pas gain aucun incident majeur qui est enregistré, puisque donc nous avons dit souffle matin, tu gain si problème par rapport avec mandataire et quelques autres électeurs justement qui ont des difficultés puisque nous n'avons pas dans la liste de l'imagement par rapport avec quelques changements qui ont été faits et qui devaient susciter quelques petites réactions tout petit dans quelques centres de vote, mais la police a essayé de maîtriser donc la situation. Nous avons dit Tigouave élection de passer sans aucun problème. Si nous répétons la déclaration du président Beclan à l'aide bonhomme, donc nous avons dit à l'aide bonhomme que son jeune écrit ici et il s'est rentré en contact avec toutes les 12 sections communales. Pas de trop gros problèmes. Donc la police c'est bec là, c'est mobilisé. Nous avons dit c'est un jour écrit ici, donc grâce avec beaucoup de stratégie police nationale là, puisque vous connaissez quelques zones, surtout à Petit Gouave, et donc sans dévotaire, nous sommes toujours crasés, mais la police c'est des trois stratégies possibles. Donc et dans le contrôle qui était mis, pas de aucune possibilité, si toutefois on monte une intention de faire des actes, pour être capable d'échapper pour lui. Parce que par météo, c'est très contrôlé par la police nationale là. Et chaque centre de vote, non seulement c'est une police administrative, et mais c'est tout à présence, soit agent IDMO, du moins agent SIMO. Et puis tout, nous sommes capables de journée après journée, dans l'après-midi, et le président Becla lui-même lui était dit, mais satisfait, et puisque, donc, pas de aucun incident comme rapport qui sorti à travers tout le dossier sur communal, et le 6 est un convoi numéro 19, qui était Inox et Ouya qui était rentré justement pour venir prendre et donc nous avons dit bien rentrer ensemble avec le Port-au-Prince après le dépouillement. Malgré le même moment, le dépouillement t'a fait la veille 6h du soir, il y a un blackout général qui était plané sous ville, donc qui était suscité, c'est ce qu'on appelle ça, et donc doute, inquiétude, la gagne. Mais nous avons dit pas de trop gros problème, puisque par la suite, on va prendre quelques réactions de la population et c'est une baille. Courant électrique là. Mais nous avons dit qui ça? Nous sommes rentrés en contact avec quelques partis, des représentants de partis politiques, pour nous garder réussi des journées, est-ce qu'il y a une frustration? Okay. Donc, dirigeant PHTKO, donc, nous avons montré au SAT. Pour façon que le vote là lui déroule et montrer réussi. Et nous avons parlé avec l'ancien député Jacques Vincent Timoléon, Mme Sandra Agil et tant d'autres, Loukoul, Luc François, nous avons parlé ensemble avec eux, tout le monde a été montré réussi. Nous avons marché de côté, dirigeant de Haïti, à Gonon Bruno Lemaniel, et John Stenfield, tout le monde est satisfait pour jouer votre là, pas de frustration. Nous avons parlé avec les représentants de la famille Lavalas, c'est la même chose, donc ils
satisfait, nous parlé avec tant d'autres représentants de partis politiques, nous dit satisfait, donc pas aucun problème. Nous sommes rentrés dans Gangouave, nous parlé avec toutes les vases encore, donc qui se représentent partis politiques toujours à Gangouave, c'est toujours la même chose, donc pas de problème, pas de frustration. Donc nous avons parlé là, la levé très calme, nous parlons avec Gangouave, Gangouave levé très calme, donc élection passée, nous sommes résultats, malgré ça souhaité, d'après ça, dit, échéance 7 février, qui est nous capable de dire une échéance constitutionnelle, qui est respectée justement pour faciliter un nouveau président rentré dans le Parlement national, malgré tant d'instatibles, ces gens, tout le monde tendait, PHPK, 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 et donc, pas grand chose de là. Ok. Merci, Anel Joseph. Dans le département sud-est, on ne peut pas tourner faire gros dégâts. Donc, ouais, nous ne pouvons pas entrer correspondants. Nous avons dit, prudence, nous ne pouvons pas entrer correspondants, nous n'avons pas ça. Nous faisons correspondants, 10 salles, ouais, ça le temps de puis fini. Nous pouvons demander qui est-ce que le cap claque son effort, mais toujours font l'autre coup de fil après. Ou bien, ou même, y'a qu'un envoyé, ben, nous, on dit, dans le département sud-est, là, papa tourner tellement fait des gros dégâts. Gros dégâts faits dans le département sud-est. Nous voyons, ouais, ça vit devant. Et puis, on dit, pour le département sud-est, ça, si bon côté, bon, nan nan ti kras fene fene sel manan tchot sel manan tchot ouais, tout koto passe la sudette l'élection ça mon cher la police là mon cher faut nous féliciter li lève le fond bay mon cher le fel li fel non mais laissez-moi de la police là pour que même détermination même volonté ça le fel pour cap zone qui n'est région métropolitaine non oui pas en pile oui oui donc c'est une cam mobiliser pour tout pays là pour bay au passé là avec population en tout qui mais ça connaît tout dans la police la gueule, l'on dit ça, gain cap codé, gain cap décodé. Et ouais, l'ouga ou na famille, depuis vieux l'ouga ou, l'ouga ou na famille, ouais, l'ouga ou cap manger ti famille, ouais, vieux l'ouga ou comme ça. On est dans le mêle ou la gueule ti moun nan, et puis c'est l'ikap sous sel. Donc, problème la police la gueule en tout, qui fait le pas cap baille les gens d'y a. Et avec l'ap kode, on l'a dit kode, on est en relon équipe, on équipe voyou sanguin, sanguiné malveillant, et tel côté, on arrive pour mettre maintenant pas de casse, pendant l'ap dit ça, on est capable de relé pour couvrir là, on est en gain monde partout en dedans, équipe là, on dit crap gone. Oui, mais c'est ce qu'a fait, on fait que voyou équipe de nous. C'est là, problème. C'est là, pour éviter information filtrée, c'est pour vous arriver. C'est une cabaye tout pays, ouais. Donc, à gérer le constat, pour que ça région métropolitaine, non pas qu'à gérer le pourquoi payer bandit, hein, parce que diaspora peut venir parce que y'a dit qu'il y a insécurité. Bon, même si y'a un pays qui a plus insécurité que nous, mais c'est ça, là, qui est sous tête, nous. Hein? Pour l'ouest, là, là, on parle de nous, monde dit nous. Qui n'est qui klaxonne, non, un sénateur, le côté de la rue, là, pas un monde qui, pas un monde qui, pas un fanatique dans l'Ouest, pas un monde qui dit non, qui est ce senti que on goûte klaxonne. Non, pas voulu être, non, mais, vous pas d'un abbaye, là, non, tout, ou, bon, papilou. Wilfried Gélin, bon, ça, c'est PHT, un plateau central, et un candidat au Sénat. Ah oui, bon, c'est lui-même qui a parlé avec nous, il a frappé fort. Bon, si un ligue d'eau, ça va finir, pas finir, tout, c'est un l'autre monde. Alors, les cabayes ici, avec Curtis Emma. Curtis, bonjour. Bonjour, Gassier. Bonjour, Bob. Eh bien, mes journées électorales là, même les réussies dans le département nord-pays. Et côté, t'es gagné en piste électeur qui était pour en route chemin vote pour que même y'a t'as rempli des voies civiques. Malgré qu'on ait vu là son ville qui était inondée, et blizzard l'autre commune au département nord, lui-même il était inondé. C'est ça qui cause que t'es gagné 400 des votes y'a été déplacé. Y'a un niveau limonade, Baudemel limonade, et t'es gagné également au niveau Blue Hills et la Suisse pour commune pleine du nord. Et bien, t'es déplacé 400 des votes si là. Et malgré ça, population même y'a été déplacée pour que même t'as voté. La pluie qui t'a tombé de temps en temps dans la deuxième ville pays hier, nous mettons avec Patsu Souyo et parapluie sous tête yo pour côté même yo te campé dans la ligne. C'est juste dans l'après-midi net, à soleil là lui-même, pluie te fonti paraître gel. Et bien, mais ça n'a pas empêché que votre là lui-même, il était déroulé normalement, pas de problème qui était enregistré, à part quelques machines de désagréments de temps en temps qui t'a entré dans le centre de vote au niveau lycée national Philippe Guerrier. Et il y a un monde qui était entré pour te capable faire bruit. Plusieurs autres côtés étaient tentés pour c'était capable de créer trouble au niveau journée vote là. Mais la police qui était très présente, n'est pas capable de faire ça. La police, même faut que nous disions, était gagné un gros dispositif de sécurité qui était établi au niveau de tout département noir pour être capable d'assurer sécurité électorale qui était doué à remplir de voies civiques comme ça doit. Et où qu'on a élection, c'est la même, il y a une pile importante pour le département noir parce que
gain trois sénateurs, c'est pour trois sénateurs parce que gain deux sénateurs et pour dans la sélection 2015 yo, pour somme avec tiers sénat celui-là et également gain six circonscriptions qui par qui pas encore représenté au niveau et 50e législature qui veut dire élection c'est là qui gain en pile importance pour au département noir. Mm-hmm. Et il y a un conseiller également Marie Ewald Michel, c'est lui même qui était venu coordonner et organisation élection réalisation élection celui-là aussi au niveau département noir. Mm-hmm. Après là, je félicite Tatio, je félicite les Haïtiens également, et pour le fait que l'élection, c'est la même, bien passée au niveau du département de Noa, et je félicite la police également pour disposition que même ils étaient prêts. Pour le directeur départemental de police, la Fonds George, lui-même, lui félicite Tatio également, il fait qu'on a gagné 9 arrestations, lui-même, il fait gagné 2 âmes, il a saisi, et il promet pour qu'il soit capable de continuer ce processus électoral-là, à savoir accompagner Bekio pour qu'il soit capable de transformer et pousser vers Beau et pousser vers Beau. Mm-hmm. En cours, guerrier, c'est comme ça, situation du même lieu dans le Cap-Haïtien. Mm-hmm. Au niveau sénatorial pour la sélection 2015, d'après ça, nous-mêmes, il n'y a pas changé. D'après la première élection, il n'y a pas changé. Et pour le Sénat, il y a trois lots qui apprennent là. Mm-hmm. Et en tout cas, c'est comme ça qu'on est capable de résoudre. Ok, bien, mais, c'est oui, ça. Merci beaucoup. Mm-hmm. Et donc, bonne journée. Bonne semaine. Auditeur, ça va pas tromper nous. L'ancien commissaire gouvernement lié, vous comprenez, dans le nord-ouest là. Le sénateur, tout, oui. Mm-hmm. Vous avez cité nous. Sénateur, il dit, négli, ouais, de bail, gros klaxon. Zami, regardez ça dans le bar, oui. Négli, ouais, capitaine, mettre là. Quel est l'effort, oui. Dans le nord-ouest. Quel est l'effort dans le nord-ouest. Et puis, sénateur, au nom de salut, Gédéon. Il était toujours dit Gédéon, son technicien. Et Gédéon, Michel-Ange, il fait pour ils sont bons techniciens. Un gros coup de chapeau, je vois, la DGPNH, là, dans mon sénateur de la République. Ça n'est pas capable de dire. Et puis, il a dit que, on est, nous, mon petit bail, il y a bon, nous faisons pas d'agile. Il a dit, dans le sac, il y a une grosse surprise. Oui. Il y a une grosse surprise. Qui est à la Fednel? Il a dit, ouais, dans l'ouest, là. Pour sénateur, oui. On ne va pas me supposer. On va me supposer qu'a fait mon saisi. Il n'y a pas de gros, il n'y a pas de trop marché, tout, il n'y a pas de chance, tout. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de chance, tout le monde dernier contrariété. Ou là, il a du mal travail. Vous avez du mal de paix. Pé là, vous avez ce qu'on brûle là. Pé, ou pas capable, même pé. Il dit, mon cher, monsieur intelligent, c'est dans l'église de Chita. Chita dans mon église. Okay. Non, parmi Duri. Mm-hmm. Tu vois, écoutez, Grèce. Anna, t'es pour un bel oulip pour ça, tout. En 2006, Anna, Anna, pour toi, fait, il met sous tête, et puis, pendant qu'il a bail fait, il a une bénédiction. Anna, toujours, nous bail. Un ami, ça, même bail, elle est arrivé. Oui, bon. Même bail, elle est arrivé. Écoutez, le chita, il n'a pas fait gros démarche, il n'a pas fait gros déplacement, il n'a pas fait cortège, vous comprenez? Mais, il est apton. Côté le chita, parce que, en bas, près, l'allié, parce que, ils font quoi, sous près là? Pendant, on a tout à faire quoi? Lui-même. On est seul, lui-même. Qui gagne dans le département? Ils ont tout croisé sous lui. Oui. On est dans l'ouest, lui, encore. Mm-hmm. Et on dit, monsieur Cabal, on s'est pris, oui. D'ailleurs, on s'est pris, nous allons maintenant. Ça va, rien, on va détourner. On va le bloquer, il va pas calculer. Il va en gros s'est pris. On va même penser ça. Si on va calculer, on va même à le penser avec elle. Bon, on dit, à cause côté le chita, bien chita, on est gagné, bien chita tout. Il y a un examen, papa, on côté au chita. Il est bon, intelligent. C'est bon, l'eau est à au chita. Si l'eau est à ma gare école, j'en avais que où tout manger. C'est ça. Les amis, ça prend un bon livre. On allait, non? On allait. Bon, nous pas dit ça pour faire mon paix. Mais, je dis qu'on s'en met bien chita. Qui bien chita. Ou on donne, on a bien composé. Il pas bien préparé l'examen, mais bien composé. Et tout dépend de côté le chita. Les amis, ça chita, non? Bon, l'église. Et puis, on a fait quoi? Il veut bénéficier de quelqu'un, quoi. On a écouté Mackenson Rémy, qui lui-même testionné un peu la zone pour nous dans la capitale hier, concours Cité Soleil, et de la zone qui aurait les autres zones chaudes. Mm-hmm. Donc, on a une idée de saleté, ouais, avec Mackenson Rémy. Rémy, ok. C'est un coup de sèche qui tape ton appli.
habitants Cité Soleil yo té mobilisé pour prendre chemin vote yo dimanche 20 novembre 2016 là. Malgré paix ak Perez qui té gagné sous date ça, électeurs yo pas découragé. Nan gros objectif ça qui s'est rempli de voix civique yo. Même si plusieurs électeurs pas de kawé non yo sous bureau vote yo, mais yo pas découragé pour téléphone yo pour vérifier ak numéro signe qui côté yo doit voter. Dans Cité Soleil ak quelques quartiers qui environnel, té gagné quelques irrégularités. N'a trouvé non ak numéro sin qui correspond ak bureau yo. Cependant, nan visage électeur qui te joint chance yo pour voter, ou pas besoin go artiste peint pour dessiner joie ak contentement la kay habitant Cité Soleil yo qui profite moment ça pour exprimer sentiment politique yo. Zone ça que tout monde connaît comme zone rouge, mais cependant, pas de gros incident puisque la police ak la justice te mobilisé pour faire date 20 novembre là tourner en réalité. Commune Cité Soleil pas rencontré gros difficulté. Gens ça habitué fête dans tant longtemps. Côté élection, t'es qu'on rendez-vous laissé frapper à garçon pas campé. Est-ce que toute considération ça y suffit pour nous prendre garantie sous bon comportement habitant dans commune ça? Résultat élection ça pour le seul test pour y faire comprendre comportement habitant ça y vraiment. Un seul coup de clé. C'était slogan fanatique plusieurs candidats après ont fin voté. L'irrité kounye ya ak résultat yo ki pral aider nous comprendre ki moun ki gen clé original la. Mackenson Remy, Caraïbe FM. Merci en pile Mackenson Remy qui lui-même t'a présenté Saltewe hier. Bon, on a pral essayer joindre Orpha des sources ou bien garder pour. Bon, on a écouté Sandra Honoré, chef mission Nations Unies en Haïti qui lui-même applaudit travail Conseil électoral provisoire là, la police qui pas ménagé foyo pour permettre réussite journée électorale 20 novembre 2016 là dans pays d'Haïti. Sandra Honoré minimisé irrégularité qui enregistré dans différents centres vote là yo diplomate là dans sens ça croit si incident ça yo pas qu'à influencer déroulement élection yo en côté précision la micro Ganito François. Il y a eu quelques incidents, mais je constate que la police nationale d'Haïti est en train de faire son travail dans les cas où ceci est nécessaire. Et je dois saluer également le Conseil électoral provisoire pour les grands efforts consentis et le gouvernement également pour les grands efforts consentis pour réhabiliter les centres de vote et les routes dans les quatre départements du Grand Sud affectés par le cyclone Matthew. Et je m'attends à ce que les trois heures à venir, les trois heures qui restent, vont voir les électeurs et les électrices sortir en masse pour exprimer leurs choix en ce qui concerne la direction future du pays. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti a un mandat du Conseil de sécurité pour appuyer le processus politique en Haïti, pour appuyer le processus électoral en Haïti. Nous offrons donc une assistance et une coopération technique au Conseil électoral provisoire, de la logistique électorale. Cette logistique est assurée par la MINUSTA d'une part et par l'UNOPS également. Donc c'est une contribution du système des Nations Unies au processus électoral en Haïti. Haïti est un membre fondateur des Nations Unies, donc il est normal que dans la situation actuelle où cette mission a été établie par le Conseil de sécurité, on fournit cette contribution pour le développement d'Haïti. Première occasion, c'est premier journal PIA. Première occasion, c'est qu'on est comme un pays d'Haïti à Grèce Mondelan réveillé pour ma terre. Oui, en tout cas, non, je vais venir là, tout de suite, pour aller craquer sur sans tabulation. C'est ça. Sans tabulation, on vote là, c'est là, je vais être là, pour aller jouer, puisque c'est là toute vérification, pour aller jouer. Donc, gagner de décision que KIPA te prend, sous question, 25% de écartant. Donc, le président KIPA a dit, donc, yo, entendu, quoi gagner, yo, yo, moniteur qui sorti, dans sens ça. Pour dire 25%, il y a pas contrôlé la partie de nombre de votants. Donc, c'est pas à partir de candidat qui vient après Hollande.
Mais c'est à partir des nombres de votants. Donc, moi, je n'ai pas trop maîtrisé ça, ça bien. Peut-être qu'on a essayé de regarder le sondage en technicien. Bon, moi, il y a un concurrent immédiat là-dedans. C'est le dernier concurrent immédiat là-dedans. Bah ouais, pour qui ça? Parce que c'est 25% ou dévancé concurrent qui immédiat. On a ouais sous qui thèse, il y a venu, puis au déformé lui. Et automatiquement, ou même, ou c'est concurrent immédiat. Moi, concurrent immédiat, je viens de dire, mon cap klaxon est DM, non? Ou comment ça me dit? Si me devancer à 25%, eh bien, pas gagné. Case close. Donc, moi gagné. Donc, je ne sais pas quel autre argument, quel autre thèse, il y a venu pour démonter, première. Mais donc Jean Lotlan dit, hein, d'où Alex et Lex, la loi est dure, mais c'est la loi. Et donc, s'il y a éliminé, si vous connaissez qui ça a fait, pour venir, pour éliminer, pour démonter en fonction des thèses, vous gagnez. Si vous estimez que vous faites tort, vous êtes capable toujours pour une décision. Mais après, vous vivez, vous faites coup. Et donc, pour une raison, pour une autre, soit pour plaire avec un chapelle politique ou bien quelconque, pour d'apprécier ton délit, ça, c'est démagogie. Démagogie totale capitale. En tout cas, explication, mais c'est fait pays a perdu plus tantôt, fait pays a fait plus gaspillage d'énergie, et c'est ça fait. Et c'est qui est là? C'est Alphonse Deshommes. Alphonse Deshommes, depuis n'importe quoi, ben Alphonse a souffert anticrasse, ou ça n'a pas dit guerrier, c'est fait pays a plus tôt, fait pays a perdu plus de temps, et puis fait nous, a fait plus bac, ou comment ça me dit, non? Et ça fait, nous t'es prôné, réalité a été claire devant tout le monde, malgré que j'en viral, c'est 5 candidats. D'actérité. Même quand tu es un cottage ou un factory, c'est 5, pas vrai? C'est 5. Et toute discussion que tu as gagnée dans l'élection zombie, j'ai dit non, c'était 5 là. Et pour la mettre, c'était 5 là. Et l'autre n'est qu'en train de faire G30, G30, G8, G7, j'ai comment relé. Mais tout le monde connaît, c'est 5 graines qui t'aident. Donc, quand tu as joué un compromis historique, dégage un compromis historique pour sauver ça que tu veux sauver, et font entente en toute l'idée, on dit, nous pouvons aller dans l'élection avec 5 là. Comme c'est dans 5 là, on a cherché qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième. Premier a dit, troisième n'a dit le premier, quatrième n'a dit le deuxième. Comme on toibou, on machacha, on moussa ou bien, c'est ça ou les problèmes, tchaka. Donc, en attendant, nous fondons l'élection, n'a tout considéré comme deuxième tour, et puis, meilleur n'a pas gagné. Et puis, m'a dit, je ne vais pas le dégager pour mener bac payant, et puis la paix. C'est qu'on a pour le faire. Bon, étant donné que vous faites tout le monde remonter camion en causant l'autre problème, mais que tout est tiré tête chaud. Donc, qu'on y a là, si loi électorale, là, vini avec principe ça, nous pas capables de faire un groupe monde bénéficier de principes là, et puis nous causer tort et préjudice avec un autre groupe sur un critère ou bien sur sensibilité politique quelconque. Donc, ça va la bouille ou non, et ça fait principe élémentaire en droit qui peut les plus. Aussi de moins, c'est clair, pas vrai? Bon, on va parler avec Port de Paix, Alphonse Deshommes, pour qu'on ait comment ça a été. Alphonse Deshommes, bonjour. Bonjour, Caraïbe FM, mouje avec moi hier soir. Nous dormons très tard. Nous connaissons que nous faisons job là, nous dormons très tard. Nous sommes jusqu'à présent, et pourquoi qu'on ait ce plus clair, même. Mais tout simplement, dans tout côté passé, dans Port de Paix, dans le bureau, dans le secteur éduqué, dans le secteur, c'est Jovenel Moïse, qui est en tête, c'est à Port de Paix, nord-ouest. C'est Jovenel Moïse. Mon qui vient en deuxième, c'est Jude Célestin. Après, c'est constaté dans l'Ouest. En attendant, c'est constaté. Oui, comme il y a compilé, il y a plusieurs confirmés qui sont toujours, parce que Bernard Jean Redlan, n'a pas suivi, parce que nous sommes un peu fatigués, nous avons continué à poser, nous n'avons pas encore, pour nous savoir comment d'aller. Ok, et pour question sécurité, comment ça t'est? Madame, non? Oui, il me dit pour question sécurité, comment ça t'est? Sécurité en forme. Mm-hmm. C'est bon genre de sécurité. Policiers, il y a bon genre de sécurité, mais tout simplement, et ministère, il n'y a pas de mettre dans cette ville-là. Du côté de l'État, c'est le ministère, c'est dans une zone, son seulement. Mm-hmm. Mais après ça, tout va ok net. D'accord. Eh bien, merci un peu, là, Alphonse Deshommes, qui t'a informé depuis Port de Paix.
Bon, d'accord, bye bye. On a pu aller Koulia, et bon, moi, si on t'a allé joindre Charles Amos Junior depuis Fort Liberté, puisque... Je vais aller là, les nœuds, là, on va aller vite tout même. Oui, donc, on va aller. Tout le monde va venir à l'école, tout. Pardon? L'école, là, il ne va pas venir à l'école. Il va venir à l'école? Soit qu'il va venir tout. Soit qu'il va venir. Il a pas venu, depuis, on va venir à l'école. Responsabilité, hein? Oui, même j'ai avec l'école, là, on va venir. Pendant les Port de Paix avec Fort Liberté, avec Charles Amos Junior, pour qu'on ait. Comment ça t'y est? Voilà, Grégory Jean-Philippe, de Alcyone Laouéan pour nous. Grégory, comment ça y est? Bonjour, Gary, de Solon, bonjour tout, on a salué tout auditeur de Radio Caraïbes. Effectivement, depuis matin, nous avons regardé qui j'ai activité à comprendre. Et guerrier, malheureusement, l'école là-bas prend, j'en l'ai vu pas. C'est quelques rares élèves, nous, avec la psychique de la rue. Et quelque côté, nous connaissons habituellement l'école à rentrer, nous connaissons les policiers qui sont là, surtout dans une zone qui soit, côté gain, et même Ariane Naya, et circulation qui est très fluide, nous passons normalement, quelques grands élèves nous sommes rentrés avec parents, et leur descendre la lui, c'est même image là, même quand il y a la guerrier, et donc on peut aller au GAN, masque pour nous, ou pas, donc post-machin pratiquement vide. La rue est pratiquement vide, on est super, on est peu, mais là, maintenant, et dans la métropolitaine, là, question, et le plus qu'on gagne les matins, pas de ça du tout. C'est quelques grands monde qui ont fait avec l'activité. Pour l'instant, nous ne pouvons pas remarquer la présence de la police dans la rue à tout guérir. C'est un peu bizarre. Mais ce sont la rue qui est très calme jusqu'à présent, et rien à s'y mettre. Donc, l'école là qui n'est pas prête. Et gens qu'on a habitués. Donc, élèves, ils ne peuvent pas répondre à l'appel? Non, ils ne peuvent pas répondre. Et quelqu'un qui est parlé avec eux, ils connaissent, c'est parce que les parents, ils connaissent ici, dans Haïti, et ils sont très précautionneux. Donc, ça qui fait, les parents, ils ne peuvent pas l'école, ils ne peuvent pas peut-être demain, Jean-Jeune Henrier, ils ne peuvent pas connaître, c'est effectivement, et ils ne peuvent pas de l'école, d'après quelqu'un qui est parlé avec eux, ils devraient se retrouver. Eh bien, d'accord. Merci un peu, Grégory, Jean-Philippe, qui était dans la rue, dans la capitale, là, pour qu'on ait comment activité l'école, là, liée un matin, en après-aller, Fort Liberté avec Charles Amos Junior. Charles Amos Junior, bonjour. Bonjour, bonjour, tout auditeur Caraïbes FM. Donc, tant que Jean que nous annoncé là, vous savez qu'il y a un rapport avec question élection au niveau élection 2016 hier. Donc, puisque le résumé a été fait depuis hier, toute bagarre est passée très bien au niveau du département nord-est-là, puisque m'a regardé donc des dispositions qui étaient prises, soit bon côté la police nationale d'Haïti, oui, qui font bon travail au niveau du département avec le commissaire divisionnaire Fritz Saint-Fort, m'a regardé mobilisation qui était gagnée avec délégué départemental nord-est, madame Irine Cadet, vice-déléguée spécialement. Visez les gars, on dit, pour liberté, qui font travail en père. Donc, pour être capable de permettre, parce que l'un valide de autorité, ça, c'est le fait que, à chaque moment, côté, il y a des convois qui bloquaient, puisque, dans le convoi qui t'a porté bulletin, aller, surtout dans le niveau, et commune de, Ferrier, à cause de inondation, c'est un gros problème. MSC travaille, la police nationale d'Haïti, vice-délégué, UNPOL, délégué départemental, là, qui permettent que, depuis un samedi, donc, pour te permettre, dans dimanche matin, que élection et processus électoral, là, t'es démarré. Donc, arrivé dans dimanche matin, eh ben, Fon dit que, un instant, ça a gagné, eh ben, processus de vote qui t'est démarré sans problème, mais ça va t'empêcher que t'es gagné, tes difficultés, du côté de Coros et de Grosse-Roche, que nous avons décidé hier. En plus que de l'eau qui sépare Coros et Grosse-Roche, c'est empêché qu'on voit au passé. Et ça va te prendre temps pour que le ministre et le ministre avec une autre, c'était prendre des dispositions par hélicoptère pour te transporter bulletin ça, puisque opération vote sous Coros et Grosse-Roche, selon conseiller Jean-Simon Saint-Hubert, était démarré jusqu'à vers les 1h et 2h. C'est ça qui expliquait que opération de voiture pas fermée sous Coros, commune de Vallière, et à 4h. Donc, ça va empêcher que le processus de voiture démarre ce département. Quelques incidents que nous capables de signaler, c'est arrestation vice-déléguée, arrestation sécurité vice-déléguée arrondissement de Trou du Nord. Donc, ensuite, tu as gagné 3 partisans, candidats pour poste, sénateur Babania Petit de Saline, non, du jeune petit frère que tu as arrêté dans Faïton, commune de Terrier Rouge, qui t'a tenté, selon la police nationale d'Haïti, selon la police, qui t'a tenté influencer le vote là. Avec l'argent, et qui est dans le même, si 4 candidats. Autre que ça, donc, par rapport à la cellule d'urgence qui était formée avec le délégué, vice-délégué, conseiller Jean-Simon Saint-Hubert, avec Mambedio, Beck, tout ça,
Donc, un peu plus tard, nous avons parlé avec le conseiller Jean-Simon Saint-Hubert qui t'a dit. Donc, l'opération de vote finit très, 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 très bien sur le département du Nord-Est, côté pas de trop gros incidents, autre que San Sialeo. Alors, la justice pas pour un temps pour être capable de libérer Mounzaïo qui pat, selon l'autorité judiciaire, qui pat grave. Puisque la sécurité vise les gars avec 11 âmes, col 45, donc la justice saisit les âmes et a été libéré plus tard, selon dernière information, jeune garçon ça, donc puisque vise les gars, dit que les âmes, c'était dans la même lité, il va être dans la sécurité, hein. Donc ça, il n'y a pas de printemps, donc on dit après qu'il était vine libéré selon information. Donc, tant que Jeanne de Ville là, conseil Jean-Simon Saint-Hubert a précisé pour opération vote pour dimanche hier là. Pas de gain trop gros incident autre que ça nous s'y allait. Et puis, il y a un petit problème côté, donc, sous les plans, lycée électoral partiel, là, côté, dans plusieurs communes, dans le niveau département, côté opération de vote déroulé, il y a un côté non-mounan, donc, que c'est tout pays, côté non-mounan, il figure de sous lycée électoral partiel, alors que, il n'y a pas en dedans, donc, c'est ça qui crée un petit problème, donc, au niveau de centre de vote, parce que, moun, ça a été dans la difficulté pour te voter, et là, ça superviseur électoral, yo, c'est clair que, n'était, yo, pas capable, ben, autorisation n'importe qui, gens. Et puis, tout, même difficulté, tant qu'au Port-au-Prince, puisque, policiers, brigade d'intervention motorisée, bim, et d'autres policiers qui deviennent en bas, comme au niveau département, pas de cas voter, candidat, ils veulent voter, puisque, yo, pas de possible, alors, autorité électorale, yo, pas de, ben, accès pour te voter, le fait que, yo, t'as évité. Mais bon, de sécurité avec la police nationale d'Haïti, sous deux mois ou dans l'inan, de vous finir voter des gens, pas qu'à l'étendre dans ce centre de vote là, c'était normal avec la police nationale d'Haïti par rapport à l'opération de vote hier. Il faut y aller sur le département du Nord-Est, il y a 87 centres de vote et 488 bureaux selon le président du bureau électoral départemental du Nord-Est. Là, on a parlé de Maître Kensi Moreau, donc qui était responsable département et qui était accompagné de donc un conseiller Jean-Simon Saint-Hubert. Alors studio on va commencer une question. Oui, c'est OK. Donc Kouliam pas connaît, est-ce qu'on a une idée de transport de bulletin yo, est-ce que INOPS déjà est-ce qu'il y a des zones qui t'as qu'à dire praticables ou bien qui difficiles d'accès comment ça y est, est-ce que tout est t'as qu'à dire matériel sensible ça y est déjà arrivé dans base pour transporter dans cette ambulation? Et alors, Caraïbes FM a été mobilisé hier dans le centre d'opération d'urgence là, ça veut dire les coups de là, côté que, eh bien, et conseiller Jean-Simon Saint-Hubert te mette cellule d'urgence là qui était la dame délégué départemental nord-est, t'es gagné un vice-délégué en spécial, donc à tout reste vice-délégué. Donc t'es gagné tout membre yo. Eh bien, Mounsa, conseiller Saint-Hubert te dit dans le centre d'opération d'urgence là, côté l'autre forme cellule d'urgence là. Donc, il y a même yo là, justement, n'importe quel problème pour résoudre les rapides. Concernant, est-ce que bulletin, il y a une garantie, une fois, dans le moment que Caraïbe FM t'a parlé avec lui, une fois que le dépouillement fini, il y a en quelque sorte, transporté et bulletin. Donc, dans ce sens, c'est garanti, ça que le dépouillement by Caraïbe FM. Alors, ce que, pour ça qu'il y a un rapport avec côté des problèmes mout, et délégué départemental là, et madame Irline Cadet, et vice-délégué arrondissement Fort Liberté en spécial avec les autres vice-délégués qui ont pris disposition, quel que soit dans la zone côté qui a des problèmes routiers, yo, yo ils ont pris disposition pour que yo aller avec des machines appropriées pour être capable de décoller mes côté qui a des problèmes et demander pour que capable débloquer route là, tu as support population. Donc pas de trop problème par rapport à accès puisque côté qui a inondation, délégation vice-délégation de prendre des dispositions. Donc conseil Saint-Hubert, bah, il garantit que, une fois le dépouillement a été fini, dans le moment que le Caraïbe FM t'a parlé avec lui hier, dans l'ensemble d'opérations du GESPA, il a transporté bulletin sans problème, puisque une OPS, UNPOL, les militaires uruguayens, la police nationale d'Haïti, encore une fois, avec le commissaire divisionnaire Fritz Effort, qui font bon travail au niveau du département, donc permettre que, sans problème, pas qu'un problème du tout, pour que, le processus dans lui-même, non seulement l'aile finie, pour que tu avancé avec, étape par étape, avec niveau que tu avais demandé. D'accord. Merci un peu, Charles Amos Junior. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, Colin, nous prenons aller dans Mirbalais avec Clément, collègue, qui lui-même prend dit nous comment journée a été, comment Mirbalais réveillé matin. Clément, bonjour. Bonjour, Caraïbes. Bonjour, tout auditeur, auditrice radio. On dit toujours dans le cadre de couverture électorale, journée hier là. Et selon toute apparence, nous sommes capables de dire que nous avons assisté à une belle journée électorale. D'abord, la population a applaudi les mesures que la police prend pour évacuer
monde qui finit voter yon façon pour pas arrêter dans le centre de vote yo pour éviter embouteillage. On dit dans le plateau central, à part de localité marché Kana, qui sont communes mis en balai, qui te gagné yon petit dérapage petit, puisque après dépouillement, c'est après en pile difficulté que la police de concert avec MINUSTAH te mette Ndakadi bulletin, yo te transporté bulletin yo nan base qui c'est riche, puisque population t'a exprimé frustration yo par rapport avec yon arrestation Ndakadi arbitraire que la police te fait. À part de ça, nan commune Sodo, tout bagaille dépassé, yon balai ainsi, tout bagaille dépassé, et gagné commune Lascarobas, on dit, nan lycée Salnavzamor que nous te rendons sur les lieux hier, gagné yon ti irrégularité tout petit, dans le sens que la police nous t'est estimé qui te gagne trop passivité, il y a des monde qui te dans le centre de vote là même qui a fait campagne, il y a des monde qui te offrir mon argent dans le centre de vote là, mais à part de ça, on est capable de dire tout bagage dépassé. En plus de ça, l'autre irrégularité on est capable de dire qui gagne, c'est une incohérence qui gagne par rapport avec numéro de téléphone, que ce soit notre comme digital qui te bail pour mon rentrer numéro signe pour qu'on dise que tu as voté. Il y a des monde qui rentrer numéro ça, yo ba en côté pour y aller voter. Or, les arrivés dans le centre de vote, ça, yo pas joué non. Donc, jusqu'à présent, on est capable de dire, mais va les arriver très bien, ça va naître également, et majorité bulletin, yo, qui est arrivé dans la base, qui se hèche. Voilà. Donc, c'est bien dit. Merci en pile, Clément, collègue, qui t'a informé depuis Mirbalet. Voilà, donc nous sommes censés péter en bout dans un journal spécial ça, puisque nous fait le tour, nous allons presque tout côté. Grégory Aurélien, est-ce que c'est pour une information? Bon, nous parler avec Grégory alors. Oui. Je vais confirmer, Guerrier. Grégory, une seconde, allô? Allô? Oui, oui. Oui, il y a l'homme d'abord du service qui est confirmé, non seulement l'école là n'est pas prête, mais il y a un pile d'élèves qui est allé à l'école, qui a retourné la caillou, dans le moment où on a parlé là, on a plus de sous, là, qui a retourné. Et puis, faut nous faire qu'on ait c'est seulement l'école là qui n'est pas prête, parce que l'ENF fait tout grand organe, nous avons vagué à l'activité. Normalement, il y a une machine qui prend en pour monsieur, machine Jérémy, Jacques Mel, un bloc portail Léogane, et machine Léogane, c'est comme à l'accoutumée. Et charge machine, il y a moun cap rempli machine yo. Donc nous capable c'est seulement l'école là qui pas prendre, mais dans l'ensemble activité reprendre et c'est ça son capable. Et puis jusqu'à présent Guerrier, nous pas remarqué présence de la police dans la rue. D'accord, merci un peu Grégory Jean-Philippe, collaborateur non, qui était dans la rue. Donc activité scolaire yo paralysée. C'est vrai, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé l'école porte l'école lui a prêté l'ouvrir pour recevoir Timounio, mais semblait un peu pas fait déplacement et les professeurs qui n'ont pas déplacé matin, hein, ça qui fait activité scolaire yo paralysée, mais l'autre activité yo censée a marché d'après ça Grégory Jean-Philippe fin qu'on est. Merci tout le monde qui est déconnecté, Journal Créole, première occasion, matin, toute équipe l'ont immobilisé. Bob C, Dynamico, moi-même, Gary, Jessel, Bizanode, Grégory, Lubin, toute équipe journaliste, t'es mobilisé pendant journée électorale, ça, ni pour télévision Caraïbe, qui était retransmettre toute journée vote-là, et radio, qui était mobilisé avec toute équipe-là, Anne-Merline Eugène, Paul Berman, François, Marc, Garçon, Félistin, Daniel Gilbert, Ganito, François, Johnny et Ferdinand, Réginald Rémy, Pierre-Renel René, Jean-Georges Blaise, Winchel Adrien, Cindy Régis, Patrice Salomon, Markinson Rémy, Zagallo, qui était là, ensemble avec nous tous, Enfa du Sous, à Rol, Domon, Grégory Jean-Philippe, Gerline Maurestin, toute caméraman Noyo, Josué Jacquelin, Emmanuel Noël, Miguel Timothée, Augustin Paul, Marc Henley, Raymond Samedi, Jean-Vital Pierre, et gagné l'autre collaborateur Noyo qui eux-mêmes étaient là également, correspondant Noyo, Curtis Emma, Jean-Nazaire Gentil, Okaï, Anel Joseph, France Augustin,
Oui, et Anel, Eric Julien, Alphonse Deshommes, Charles Amos Junior, Nandi Anel Joseph, Elie Loveus, depuis Jacques Mel, Clément Collègue, Frankel Maginaire. Donc, ils ont tout été mobilisés pour te permettre, population, te connaître ce qui a passé pendant journée électorale. Ça, Rodrigue Lalanne pour télévision, Romel Pierre, Ivoire Saint-Amand, Jackie Cantave, Hubertus, ils ont tout été là pour te commenter journée électorale. Ça. Merci tout le monde. Napral Kito avec Harold Domon et Kisnol Lamour qui là. Mais n'a souhaité bon anniversaire à Darlene Gilles, Moïse Cadet, Jeff Saint-Louis, qui eux même a pas fêté jeudi. Hein. Et puis Kempes Belizère, c'est Fano Capé qui m'a dit pour penser à qui. Merci tout le monde. Restez branché, Caraïbes FM. Caraïbes FM. 94.5. Mesdames, Messieurs, un gros bonjour pour nous toutes. Nous comptons pour nous ensemble avec vous pour première sortie du journal Espoir. Nous comprenons que c'était une élection hier. C'est normal que le journal était prioritaire avance pour permettre à un peu de monde comprendre ça qui t'a passé ailleurs dans la question élection. Quant à nous-mêmes, nous rentrons à la caillou pour information sportive. Bonjour, Kisnol. Bonjour, Harold. Bonjour, Grégory. Bonjour, tout le monde. Nous là, nous sommes capables de parler sport. Nous allons rentrer d'emblée dans l'actualité internationale avant de finir peut-être avec le local. On va se dégager un pile match en Europe hier et une match, c'était Manchester United qui était croisé avec Arsenal. Kisnol, un match qui c'est deux entraîneurs ennemis, deux gros adversaires, José Mourinho avec Arsène Wenger, l'un qui était toujours à critiquer l'autre dans la presse et match a été répondre en termes d'intensité, mais et dans ce match-là, tout le monde est parti satisfait ou insatisfait de finir Union. Équipe Manchester United là, qui lui-même toujours pour comprendre ça a passé pour lui puisque il gagné là et la bande à José Mourinho qui t'a joué face à Arsenal, donc on est et tout ça qu'on gagne entre Mourinho et Arsène Wenger. Mourinho qui lui-même est toujours n'a pas l'empile à Arsène Wenger là, mais match qui finit 1-1 dans match ça côté équipe Arsenal là, c'est lui-même qui était déjà et l'ouvrir score pendant Chelsea lui-même l'a valé pour 6e victoire, mais Arsenal lui était mené 1-0 équipe et ça côté yo et surtout était à jouer avec yo United qui t'es paraît là à chercher yo United sans Zlatan Ibrahimovic qui bat là. Oui, c'est la chose. Et c'est Rashford qui lui-même a été joué en avec attaque pour l'équipe Manchester United. Là. Et bien, comment ça a été rapide en Angleterre, et spécialement dans Guafusa, dans le match qui a été United à Arsenal, le match a fini 1-1. Disons c'est United qui a mené 1-0 grâce à Juan Mata et Olivier Giroud dormi en l'air pour le fond coup de tête et permettre et Arsenal d'égaliser et sortir à point ça. Le match qui a gagné un seul shoot cadré seulement pour Arsenal pendant 5 shoots cadrés pour l'équipe Manchester United. Là. Manchester qui est dominé dans tout compartiment jouet là, mais c'est match là et équipe Mourinho toujours pour que jouent Salah Chechia et vraie place. Là. Manchester City, ça qui est intéressant à World, Libat Crystal Palace 2-1, c'est Wickham qui marque. Et qui est-ce qui marque de Gold City? C'est le revenant Yaya Touré. Oui, Yaya Touré, en fait, qui capable l'ensemble un peu avec Kamata. Mais sinon que Mourinho va persister dans l'erreur, parce que il finit par comprendre que Wayne Rooney pas balle dans le terrain, ça m'a balé, hein. Depuis tantôt, et 5 à 6 journées, Mata titulaire indiscutable, en place meneur de jeu pour l'équipe Manchester United là. Mais la problème que le Mata est venu, et le Mourinho est venu, il était voulu voir Mata aller. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Et vraiment, et avec formation Manchester City, hein, côté, pour déclaration.